Je vous présente donc Juan Branco, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est avocat. Enfin, je vous présenterai avec moi, mais avocat, notamment en ce qui nous concerne, il a été avocat de Gilets jaunes, avocat de Julian Assange aussi, le fondateur des Wikileaks, et puis plus largement avocat de syndicalistes aussi. J'ai appris qu'il y a quelques jours encore, tu étais en Guyane pour défendre des syndicalistes guyanais injustement incarcérés, je crois, parce qu'ils luttent tout simplement contre un pouvoir autoritaire et abusif. Et donc, pourquoi on t'a fait venir te tutoyer parce que tu es aux côtés de ceux qui luttent et tu utilises ta position et ton métier et tes compétences au service de ces gens-là. Et effectivement, ce soir, oui, pour te resituer, ce soir, c'est une soirée anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, mais on ne voulait pas en rester à un simple anniversaire. Entre nous, on voulait aussi faire connaître les Gilets jaunes à ceux qui n'étaient pas sur les ronds-points, qui n'étaient pas dans les manifestations, et qui ont eu l'ouverture d'esprit et la gentillesse de venir et de ne pas rester sur la représentation qu'en donnent les médias, rester sur une image biaisée des Gilets jaunes et tous les stéréotypes qui vont avec, et notamment les stéréotypes qui collent aussi à la peau du mouvement anti-pass en ce moment, dont on se rend compte que c'est les mêmes ficelles justement pour mieux diviser le peuple, surtout quand le peuple arrive à s'unir, arrive à dépasser les différences dans un but commun. Ça affole le pouvoir. Et donc, juste pour te situer, tu as écrit un ouvrage qui t'avait fait remarquer, qui s'appelait Crépuscule, en 2019, je crois, qui retraçait un petit peu le comment de la prise de pouvoir de Macron, sous des apparences démocratiques et d'élections, effectivement, mais comment tous les réseaux d'argent et d'influence ont été activés pour permettre l'élection de ce président. Et puis là, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on le subit maintenant. Donc là, on est plutôt dans, on souhaiterait après Macron, donc sur comment les Gilets jaunes peuvent continuer d'exister et comment on peut continuer le combat, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et surtout qu'est-ce qu'on fait après, puisque je rappelle que ton dernier ouvrage s'appelle « Abattre l'ennemi ». Donc je pense que tu vas nous expliquer tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité déjà, je suis très touché d'être parmi vous. J'étais tout à l'heure à Montpellier avec les Gilets jaunes du rond-point près d'Arènes et la veille encore avec un autre public et ça m'émeut de... J'avais un regard assez distant par rapport à l'idée d'anniversaire, vous voyez, c'est quelque chose qui en fait, me touchait pas particulièrement parce que je trouve que c'est un peu ajouter une couche morbide à quelque chose qui est censé être encore en construction, en mouvement, ou qui de toute façon en fait n'a pas été figé par des cérémonies d'une quelconque forme. Et en même temps, ça m'apporte beaucoup beaucoup de chaleur de vous voir si nombreux déjà, de la même façon qu'à Montpellier, il y avait beaucoup beaucoup de personnes sur le rond-point, de voir qu'on est encore vivant, qu'on est encore dans le même rapport de chaleur et d'amitié qui nous a fait nous rencontrer. Et je vous ai entendu tout à l'heure à la fin de la prise de parole des différents groupes que vous aviez constitués et des mots que vous énonciez étaient très importants et très... Enfin, ils m'ont beaucoup touché parce que moi je suis rentré dans ce mouvement par amour. En fait, il y a eu une rencontre dans ma vie assez exceptionnelle qui m'a permis de... À un moment où donc, j'étais déjà en opposition très forte vis-à-vis du régime macronien, en déracinement complet, j'avais déjà écrit un texte que j'avais publié en ligne qui s'appelait « Contre Macron ». J'avais commencé à écrire Crépuscule, donc qu'on a mis en ligne en PDF au moment du premier acte, en fait. Mais j'avais toujours cette chose de l'enfant de l'élite qui, en fait, a toujours un peu peur de ce qui ne le ressemble pas au premier abord et qui s'inscrit dans une temporalité, une forme d'être qui peut sembler différente et qui, du coup, peut inquiéter ou, en tout cas, dont on nous a appris qu'il fallait avoir peur. Ça, c'est quelque chose d'important dont il faut que vous soyez conscience. C'est que de la même façon qu'ils vous semblent très éloignés, ceux qui sont tout là-haut, qui ont des vies extrêmement confortables, une capacité à influencer votre existence et à peser sur vous, ces personnes-là sont éduquées, formées, et c'est presque inscrit dans leur corps, le fait qu'ils doivent être éloignés de vous, et qu'ils doivent se distinguer, c'est un terme très important qui a été d'ailleurs théorisé par un grand sociologue qui s'appelle Bourdieu, l'idée de la distinction est au cœur du pouvoir bourgeois. C'est-à-dire l'idée de se montrer différent de ce qu'est la supposée masse, en fait, la majorité des personnes qui sont censées être gouvernées. Et c'est à travers leur capacité à se distinguer qu'ils vont être en mesure de se faire adopter ou de se maintenir dans ces positions
qui vont leur offrir un certain nombre d'avantages, que ce soit économique, en termes de statut social, que ce soit d'accès à un certain nombre de ressources, et ainsi de suite. Et donc, en fait, vous voyez bien que dès le départ, ce système est fondé sur quelque chose qui n'est même pas de la division, c'est une séparation initiale, en fait. C'est-à-dire, dès le départ, en fait, on va vous permettre d'exister dans un certain espace, qui est celui qui va vous donner la possibilité d'accéder à la parole publique, donc aux médias ou à la représentation en tant qu'élu, à travers les partis, ou à travers, de façon plus indirecte, les réseaux financiers qui contrôlent l'espace médiatique. L'accès à ces lieux-là va vous être autorisé si vous tenez une certaine parole, mais aussi si vous tenez d'une certaine façon. Si vous êtes capable d'être dans un rapport à l'autre, qui va être prédéterminé par un certain nombre d'éléments, dont la capacité à distinguer celui qui est puissant, celui qui ne l'est pas, la capacité à vous montrer plus ou moins ouvert selon le statut social de la personne à laquelle vous êtes confronté, vous montrer plus ou moins capable de mépris, d'arrogance, de capacité à vous montrer justement sur une forme de surplomb par rapport à l'autre, et une solidité, ce qu'on appelle une forme de solidité psychique et mentale qui va faire que vous allez supporter l'humiliation, vous allez supporter la violence, et vous allez être capable d'en colporter, parce que ça fera de vous quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui sera capable quelque part de supporter une forme de poids qui vous sera demandé lorsque vous aurez à prendre des décisions qui impacteront des millions de personnes. Décisions qui, la plupart du temps, iront à l'encontre des intérêts de ces millions de personnes, mais que l'on va vous convaincre à travers toute une série d'abstractions, d'idéologies, que, en fait, elles ont un sens profond et qu'il faut que vous les preniez, même si ça va faire du mal. Et donc, en fait, on va vous faire rentrer dans une sorte d'espace mental qui va faire que vous allez finir par trouver cela naturel, avoir trouvé naturel, de vous l'infliger à vous-même. Et il y a tout un parcours initiatique d'une forme d'auto-violence qui est créée au sein de ces institutions. Pour rentrer aux grandes écoles, il y a une grande épreuve qui vous est infligée à travers les concours qui eux-mêmes succèdent à 2 années de préparation extrêmement intense qui peuvent être stimulantes intellectuellement pour certains, mais pour d'autres complètement dévastatrices parce qu'en fait on va vous mettre en concurrence les uns avec les autres, on va vous pousser au bout de vos retranchements, de vos capacités intellectuelles et mentales à construire des choses, et surtout à la fin, on va vous classer. On va vous classer, c'est-à-dire qu'à 20 ans, mais surtout les années précédentes déjà, après qu'on vous ait humilié en vous mettant des notes qui sont extrêmement violentes au départ, tout simplement pour vous montrer que vous n'êtes rien et que si vous voulez devenir quelque chose, il va falloir adhérer au code que l'on est en train de vous apprendre, à l'habitus, aux formes, et que si vous le faites, vous aurez un droit à vous sentir supérieur à ceux qui vous entourent. Et si vous réussissez à le faire mieux que d'autres, vous aurez le droit, de par votre classement, à une position sociale qui vous sera plus favorable et qui demeurera pour le restant de vos jours comme vous laissant protéger du reste de la société. Quelle est la difficulté de ce système au-delà de la violence intrinsèque qu'elle produit pour vous et pour les personnes en dehors de la société? C'est tout simplement qu'elle finit par isoler ces personnes-là. Ces personnes qui acceptent de jouer ce jeu-là, qui sont en fait la plupart du temps, à la quasi-exclusivité, les enfants des classes dominantes. Aujourd'hui, dans les grandes écoles soi-disant méritocratiques, qui sont censées vous choisir selon votre intelligence, votre capacité à élaborer, ainsi de suite, vous avez en moyenne, si on prend les plus prestigieuses, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, l'École normale supérieure et Polytechnique, vous avez entre 85 et 90% de personnes qui font partie des classes sociales des CSP+, donc le haut du panier en termes de revenus. C'est, si vous agrégez les cadres et les personnes qui sont les enfants de chefs d'entreprise, vous arrivez à 9 élèves sur 10 qui en fait sont issus de ces classes sociales qui représentent à peine 20 à 25% de la population française. Donc il y a une disproportion énorme qui se voit aussi à l'autre bout de l'échelle, c'est-à-dire que vous allez avoir entre 1 ou 2% de fils d'ouvriers ou d'agriculteurs, alors qu'ils représentent jusqu'à, si vous ajoutez les employés, donc 5% d'employés, donc ça fait entre 5 et 10%, vraiment les années exceptionnelles 10%, alors qu'ils représentent 50% de la population française. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une reproduction sociale, les enfants des personnes favorisées qui vont avoir accès à des écoles dans lesquelles soit ils vont être directement payés pour étudier, c'est le cas quand vous êtes à l'école normale supérieure ou à Polytechnique, vous avez un salaire qui vous permet d'étudier, vous êtes payé pour étudier, je pense que c'est un truc qui est assez inattendu à l'échelle de la société. Et en fait, c'est juste pour les préparer à un statut qui va leur être octroyé le restant de leur jour, en théorie, c'est-à-dire la possibilité d'être payé pour avoir le temps de penser. Avoir le temps de penser, c'est-à-dire de lire, d'apprendre et ainsi de suite, et du coup de pouvoir accumuler un capital, accumuler des savoirs, qui vont leur permettre de se différencier du reste de la société et de donner des idées, ou en tout cas d'imposer leurs idées aux autres personnes. Et donc, on est dans une situation où on a des personnes extrêmement favorisées, qui viennent de milieux favorisés, qui vont être sélectionnées par des processus intrinsèquement violents, dans l'idée d'en faire une sorte de...
je ne sais pas comment le dire exactement, mais en fait, on va en faire des êtres qui vont avoir en fait une forme de présomption dans leur rapport au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont être présumés capables pour exercer le pouvoir. Et c'est ces personnes-là que vous allez retrouver systématiquement sur les plateaux télévisés, dans les espaces de représentation nationale. À l'Assemblée nationale, il y a que, dans mes derniers souvenirs, il y a 5% d'ouvriers. Donc, je veux dire, ce n'est pas une instance représentative du tout. C'est une instance où, en fait, on introduit des personnes qui ont déjà été sélectionnées pour aller dans un sens particulier, qui est celui qui est donné par ces institutions, qui elles-mêmes étant contrôlées par des personnes qui sont issues des classes les plus favorisées, bah, vont évidemment avoir tendance, y compris lorsque vous êtes la meilleure personne sur Terre, à favoriser ces classes-là, donc les classes d'où proviennent les personnes qui y participent. Donc vous avez un enfermement, et c'est ça la deuxième violence qui s'adresse à celle que je viens de décrire, qui touche directement les corps, c'est l'isolement. Peu à peu, ces personnes en fait, vont être isolées du reste de la société, et donc du coup vont perdre leur rapport d'empathie, leur rapport à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elles ne vont se déterminer que par rapport à des personnes qui ont exactement les mêmes conditions sociales, un parcours très similaire, et du coup vont... Quand on parle de déconnexion du réel, des politiciens, etc., ce que ça veut dire, c'est tout simplement la création d'une bulle dans laquelle non seulement ils vont perdre le rapport à l'autre, mais ils vont en fait ensuite construire des murs, qu'ils soient symboliques ou réels, qui vont leur permettre de se protéger des autres. Et donc, quand vous faites ça, et quand vous finissez par créer un enclos, eh bien vous commencez à avoir peur de l'autre. Et c'est cette inquiétude que vous avez vis-à-vis de ces classes sociales dominantes au sein de la société aujourd'hui, eux la ressentent à votre égard. Et la ressentent peut-être d'autant plus qu'eux ne vous voient jamais. Ils ne vous voient jamais si ce n'est quand vous les servez, si ce n'est quand ils sont en mesure de vous exploiter. C'est-à-dire que vous devenez, à leur égard, des personnes qui vont être des entités qui vont produire quelque chose, une ressource, qu'ils vont réussir à capter, en partie, à minima, et qu'ils vont en fait recycler pour maintenir leur niveau de vie. Donc ils vont vous croiser, et vous allez les croiser, dans des situations qui ne seront jamais des situations d'égalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont commencer à fréquenter des lieux qui leur sont réservés, ils vont commencer à placer leurs enfants dans des écoles qui leur sont réservées, ils vont commencer à aller dans des hôpitaux qui leur sont réservés. Moi, c'est une anecdote qui m'avait beaucoup frappé. C'était à l'été 2019, je crois, peut-être 2020 pour les dates, je ne suis pas certain, quand Brigitte Macron avait été hospitalisée pour une opération de chirurgie esthétique. Elle était allée à l'hôpital américain, qui est un hôpital privé. Donc, c'est-à-dire qu'on en arrive à un niveau de rupture où la femme du président de la République ne va pas se faire soigner dans l'hôpital public. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui, au-delà du symbole, qui est évidemment extrêmement violent, dit quelque chose de l'absence de confiance que ces êtres eux-mêmes ont fini par avoir dans les institutions qui sont censées diriger, protéger, accroître, et ainsi de suite. Quand la femme du président de la République ne se sent pas en confiance au sein de l'hôpital public, bon, en l'occurrence pour faire de la chirurgie esthétique, bon, on ne va pas juger, c'est son enjeu, j'imagine qu'en termes d'image publique, ça ne doit pas être facile tous les jours à vivre d'être Brigitte Macron, mais en tout cas, il y avait cette idée de s'extraire du commun, donc avec quelque part une conscience que ce commun est largement dégradé, parce que si on ne veut pas s'y exposer, c'est qu'on sait quelque part qu'en fait, ça ne fonctionne plus très bien, mais de l'autre, l'idée que, puisqu'ils pourront toujours s'en échapper, s'en exfiltrer, de la même façon qu'il y avait un hélicoptère qui était prépositionné pour exfiltrer d'Élysée Emmanuel Macron et ses plus proches conseillers le jour de l'acte 3. Donc, que quoi qu'il arrive, l'enjeu n'était pas tant que le pouvoir tienne, mais qu'il puisse trouver un endroit où s'échapper et laisser le pays dans l'état où il l'avait laissé. Mais de la même façon, par rapport à leur service public, Brigitte Macron a été enseignante toujours dans des lycées privés, d'abord à la Providence à Amiens, puis à Benjamin Franklin, où elle a rencontré d'ailleurs la mère de Bruno Le Maire, qui était le directeur de ce qu'on appelle le petit collège, je crois, enfin, c'est-à-dire de l'école primaire, où elle a rencontré les enfants de Bernard Arnault, ce qui lui a permis de présenter à Emmanuel Macron, ce qui a permis à Emmanuel Macron de gravir les marches de la société, de la petite société parisienne, ce qui lui a permis ensuite, évidemment, d'être nommé à différents postes. Et donc, vous voyez, en fait, comment, par la création de ces petits espaces qui sont isolés du reste de la société, vous favorisez un effet d'entonnoir, qui va faire que les mêmes se retrouvent à se croiser, se recroiser, se recroiser. Et vous trouvez peut-être là la première raison à la médiocrité du personnel politique, mais aussi journalistique, enfin de tous ceux que vous voyez dans l'espace public, qui n'ont pas du tout la décence, la dignité, mais surtout l'ampleur à laquelle on pourrait attendre de personnes qui ont été payées, stipendiées pendant des années, qui ont vécu dans un confort extraordinaire pour réfléchir, pour essayer de comprendre la société, pour essayer d'améliorer, alors que vous voyez en fait, en général, des arrivistes qui, par court-circuit successif, obsédés à l'idée d'accroître leurs capitaux différents, sont arrivés très vite au pouvoir,
sans à aucun moment n'essayer de réfléchir à la collectivité. Et pourquoi ils n'ont pas essayé de réfléchir à la collectivité? Parce qu'ils n'ont jamais eu à se poser la question de comment construire quelque chose, ils n'ont jamais eu à savoir ce qu'était la valeur d'une école publique qui fonctionne, qui vous permet, soit selon vos talents, soit selon votre spécificité, votre particularité, d'avoir un parcours qui va vous être adapté, qui va vous permettre de briller, c'est-à-dire d'exister, d'être connu en ce que vous êtes différent, en ce que vous êtes talentueux, en ce que vous êtes beau, une forme de beauté, de capacité à créer de la beauté si vous voulez être plutôt artiste, plutôt une rigueur si vous voulez être scientifique. Enfin, tout ça est complètement évincé, si ce n'est encore une fois dans leurs espaces, où là, il y a encore le temps pour former leurs étudiants, enfin leurs enfants, et ainsi de suite. Je ne compte pas, je vais pas vous faire un concours d'anecdotes, mais des ministres de l'Éducation qui ont leurs enfants dans le privé. Vous voyez, enfin, c'est quand même des questions qui... C'est des choses qui posent question. C'est-à-dire, d'un côté, ils gèlent les salaires, ils réduisent le nombre de recrutements, on a un nombre d'élèves qui continue à croître, et ainsi de suite. Et de l'autre, eux placent leurs enfants ailleurs et ils essaient de vous expliquer qu'ils font ça pour l'avenir de la France ou parce qu'ils sont obligés, et ainsi de suite. Et donc, on est sur une situation où, encore une fois, pour des personnes comme moi qui ont grandi dans ces milieux-là, on vous apprend à avoir peur du reste de la société française. En tout cas, on vous apprend à vivre en dehors de celle-ci et à ne la considérer que comme une abstraction. Les Gilets jaunes, pour moi, ont été un moment de miracle parce qu'elles m'ont permis de découvrir la France. Elles m'ont permis, à travers des événements comme ceci, à travers les manifestations que l'on faisait samedi après samedi, à travers, moi j'aime pas les appeler les clients, les personnes qui sont venues me voir à mon cabinet pour se défendre au moment de garde à vue, alors qu'ils avaient perdu un œil, alors qu'ils avaient été harcelés comme était Christophe Détinger, comme Maxime Nicole. En rencontrant ces personnes-là, j'ai eu la chance de découvrir une profondeur, un pays que je ne connaissais pas, en fait, que je ne connaissais pas, et auquel pourtant j'avais été naturellement voué à diriger. C'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, on m'avait appris tous les codes qui me permettraient aujourd'hui d'être un Gabriel Attal et de vous expliquer la vie sur tous les plateaux de télé, alors qu'il n'a jamais occupé un emploi de sa vie et que, en fait, évidemment, du pays, il ne connaît rien si ce n'est le petit Luxembourg et la belle mare dans laquelle on barbotait quand on était enfant en face du Sénat. Vous voyez, c'est des personnes qui, en fait, ne sortiront jamais de ces espaces-là, de ces quelques arrondissements où se concentrent l'ensemble des institutions, les ministères, des assemblées représentatives, le Sénat et l'Assemblée nationale qui ne représentent rien, et ainsi de suite. Et donc vous grandissez là-dedans, on vous habitue à connaître le pouvoir, à l'exercer, à vous donner l'impression qu'on peut maîtriser le réel comme une abstraction, sans jamais avoir à s'y confronter, sans jamais avoir à être confronté aux conséquences des décisions que vous prenez. Et donc évidemment, qu'est-ce que ça crée? Alors même que vous étiez peut-être un très joli enfant, très, très sympathique, et ainsi de suite, ça crée des monstruosités. Ça crée des monstruosités parce qu'en vous apprenant à ne considérer les autres non pas comme des corps vivants qui ont une âme, qui ont des nécessités, qui ont une voix à entendre, en les traitant comme une masse agglomérée qu'il suffit de diriger, orienter, écraser ou accroître, en vous faisant croire que le monde est une série d'abstractions, je reviens sur ce terme que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il y a des grandes idées qui sont censées tout expliquer et tout justifier. Donc par exemple, le marché. C'est quoi le marché? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le marché? Les grandes lois du marché qui s'imposent à nous. Vous voyez, l'offre et la demande, la main invisible. C'est génial parce que eux-mêmes s'en rendent compte et ils finissent par utiliser des termes qui devraient les prévenir du ridicule. Il y aurait une main invisible, donc c'est Adam Smith qui a autorisé ça au XVIIIe siècle, qui aurait établi un certain nombre de règles tout aussi invisibles sur un marché tout aussi invisible qui explique qu'en fait, du coup, l'État n'a pas le droit d'aider les plus fragiles de la société parce que ça fausserait la concurrence et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc en fait, tout ça, c'est des rationalisations dont le seul objectif est de justifier leur comportement prédateur, leurs décisions prédatrices, qui vont leur permettre d'accumuler des richesses, qui vont leur permettre de continuer à vivre et d'accroître leur séparation du reste de la société, tout en se disant qu'il y a une raison de le faire. Tout en se disant qu'il y a en fait une cohérence dans leur comportement. Cette cohérence, elle a éclaté lors de la crise sanitaire. Elle a éclaté de façon massive parce que ceux qui nous expliquaient qu'il n'y avait pas un sou, qu'il fallait réduire les salaires des infirmiers, des hôpitaux, enfin de l'argent des hôpitaux, tout d'un coup vous sortent de nulle part 100 milliards d'euros. Et là, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a supporté ça? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a supporté que celui qui disait A dise tout d'un coup B? Pourquoi est-ce qu'on a accepté que personne, alors que personne ne les contredise, que ce soit des journalistes, d'autres politiciens, qui leur disent « Mais attendez, moi je vous lâcherai pas, je sais ce que vous me justifiez, le fait qu'alors que vous étiez en train de nous écraser, de détruire nos vies pour quelques minables euros, les 5 euros qu'ils ont voulu retirer aux APL qui auraient permis de récupérer 1 milliard d'euros, vous étiez en train en fait de faire du mal à des personnes qui avaient déjà mal, qui étaient déjà en souffrance, qui étaient déjà dans une situation de précarité, qui étaient déjà en train de souffrir la violence du monde que vous avez créé. »
Comment est-ce que vous expliquez que tout d'un coup vous soyez capable d'inventer 100 milliards d'euros en nous disant qu'il n'y a aucune difficulté? Et moi, je ne comprends pas un espace démocratique où tant qu'il n'y avait pas une réponse claire à cette question, il n'y a rien qui se passe, en fait. Il y a une sorte de refus d'entendre quoi que ce soit jusqu'à ce qu'une réponse claire à cette question soit donnée, pour la simple raison que si on n'a pas cette réponse claire, ils continueront en toute impunité à renverser leur discours sans cesser, à nous mener en bateau, sans qu'il y ait même plus à croire, en fait, dans l'idée de démocratie, de capacité populaire, enfin quoi que ce soit, c'est-à-dire dans une fiction qui aurait remplacé le réel avec une telle simplicité qu'eux-mêmes ne sentiront même plus l'effort bientôt de mentir. Eux-mêmes ne sentiront même plus l'effort d'essayer de vous plaire, puisqu'ils nous voient dans un tel état de passivité par rapport à des renversements tellement délirants des discours et des raisons qui nous sont données, qu'ils vont finir, en fait, tout simplement par croire qu'ils peuvent nous écraser jour après jour sans aucune difficulté. On pourrait reproduire à l'infini sur l'ensemble des étapes de la crise sanitaire. Ça a été merveilleux, cette crise sanitaire, à ce niveau. Enfin, c'est-à-dire, sans jeu de mots, mais enfin, la façon dont ils ont été démasqués. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, à commencer par les discours sur les masques, et on a continué sur l'ensemble des éléments qui ont suivi pendant mois après mois, sans, encore une fois, et c'est ce qui devrait nous préoccuper collectivement, nous qui sommes réunis ici, donc nous qui avons quelque part réagi, parce que le fait de venir jusqu'à ce lieu, de vous rassembler, d'essayer d'entendre des paroles qui sont autres que celles qu'on vous annonce dans les médias officiels, c'est une façon déjà d'agir et de résister, mais sans que collectivement, il y ait eu, de la part du corps social qu'est la France, une forme de résistance, de dire non, et de s'opposer, en fait, à cette dégradation complète de l'espace public, du politique, et tout simplement du rapport à l'autre que ça crée. Donc, j'en reviens peut-être à cette généalogie des Gilets jaunes, parce qu'elle me semble importante pour vous dire, en fait, justement, en quoi ce qui a été construit pendant cette période a été précieux. Je suis venu au Gilets jaunes donc, avec le bagage qui était le mien, c'est-à-dire une connaissance assez intime des appareils de pouvoir, le passage par le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, la Cour internationale, l'Assemblée nationale auprès d'une future ministre, et ainsi de suite, avec les écoles, les grandes écoles, entre guillemets, que j'avais fait, l'université à Yale, qui est une sorte de l'équivalent de Harvard, qui permet de former toutes les élites de la côte est américaine, donc aussi connaître des appareils de pouvoir étrangers, ce qui est toujours très important pour comprendre par différenciation qu'est-ce qui joue en France, où sont les pièges, et ainsi de suite. Donc j'arrive avec toute cette connaissance, avec un dégoût qui va croissant depuis quelques années, qui me fait partir à chaque fois plus, me mettre en danger en allant faire des reportages de guerre au Centrafrique, au Nord Kivu, donc dans les endroits les plus cruels, les plus éloignés de la civilisation, pour essayer de relâcher la pression que je ressens face à un monde qui me dégoûte toujours plus. J'y suis rentré très naïvement, comme l'enfant à qui on expliquait depuis petit que la politique c'est bien, c'est important, c'est s'occuper de l'autre, et ainsi de suite. Donc avec cette âme d'enfant, et en fait très rapidement une lessiveuse qui commence à me faire du mal. Et donc quand j'arrive au Gilet jaune, donc après avoir été approché pendant plusieurs années par les équipes de Macron pour le rejoindre entre 2012 et 2017, avant son élection, et avoir toujours refusé parce que ce que je voyais se mettre en œuvre me dégoûtait, après avoir rencontré à la fois des journalistes, des directeurs de rédaction, les oligarques qui détiennent les rédactions, comme Xavier Niel, Bernard Arnault, etc., avoir été invité aux Ritz, dans leurs hôtels particuliers, ainsi de suite, pour voir, en fait, de l'intérieur comment fonctionnait ce monde, avec une volonté de rompre toujours plus importante et me détacher d'un monde où, en fait, cette séparation du reste de la société, je le voyais, produisait du malheur, de la solitude, et une forme de rapport à un monde extrêmement sec et dévastateur, qui faisait que chaque interaction était potentiellement blessante. Chaque interaction, en fait, était inscrite dans le rapport au pouvoir, et donc inscrite dans un rapport à la domination. Et c'est quelque chose que j'essayais de fuir par tous les moyens. Et donc je me retrouve, je rencontre une jeune journaliste du Figaro, qui, donc moi je viens de la gauche, donc je viens d'une gauche assez radicale, intellectuelle, etc. Et je rencontre une jeune femme d'extrême droite, mais d'extrême droite sévère, c'est-à-dire que j'étais un peu trop bronzé pour elle, quoi. Elle me disait, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui était assez marquant et surprenant, qui était catholique, qui avait une révélation quand elle avait 16 ans, et donc qui m'amène à la messe, alors que bon, ma grand-mère était très croyante, mais j'avais... Enfin, moi, je viens d'un petit village du fin fond d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, où la structure catholique sont toujours très prégnantes, en fait, parce que la dictature a préservé ses traditions, et ainsi de suite, mais mes parents sont partis d'Espagne et de Portugal pour fuir, justement, ce monde qu'ils trouvaient trop ancré dans le passé, et ils sont mêlés à Paris comme un espace de liberté, enfin... comme le font les gens de gauche, c'est-à-dire vraiment avec une forme d'émancipation, de croyance dans l'émancipation, et en fait se libérer de toute cette tutelle traditionnelle, etc. Donc j'étais très éloigné de tout ça,
Et tout d'un coup, elle m'amène à la messe de l'église la plus conservatrice de Paris, où j'entends des propos assez durs sur un certain nombre de communautés. Enfin bref, je vois un monde, elle s'agenouille, elle ouvre les bras. Enfin, pour moi qui est vraiment un mi-kilomètre de ça, tout d'un coup, j'ai une sorte de choc. Et en même temps, de par l'amour, justement, en tout cas du fait qu'on se plaisait mutuellement beaucoup, une curiosité. Donc au départ, comme vous le savez, dans une histoire d'amour, on se provoque, on se titille, on fait valoir ses différences, on essaie de voir qui du plus bronzé ou de plus blanche va être par convaincre l'autre que c'est peut-être pas une bonne idée de se juger sur l'aune de ces éléments. Et quelque part, en fait, au moment où les jeunes interviennent, elle vient du même endroit, en fait, du même petit village d'où venait Jacqueline Moreau, en Bretagne. Et donc, en fait, elle voit monter la chose, elle commence à m'en parler énormément, etc. Et en fait, c'est elle qui va me désinhiber dans l'idée d'aller sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas naturel d'aller sur les Champs-Élysées, alors j'avais fait plein de manifestations, etc., au moment des Gilets jaunes, parce que tout ce qui remontait au sujet de ce mouvement était quelque chose d'inquiétant. C'est-à-dire la façon, tout de suite, avant même qu'il y ait eu le premier acte, la façon dont on en parlait dans les médias, dans mon entourage, dans ce petit Paris, c'était... En fait, c'était le peuple sombre. Vous voyez, c'est le peuple sombre qui, tout d'un coup, se mettait en mouvement, et intuitivement, il faut avoir peur du peuple sombre. On a été éduqué pour le tenir à distance, pour éventuellement le mater, si vous êtes plutôt conservateur, et en tout cas, si vous êtes plutôt de gauche, l'éduquer. Mais quoi qu'il arrive, toujours dans une position de surplomb, dans laquelle on va apprendre aux gens à quoi faire, comment se comporter, et ainsi de suite. Et donc, je pense que quelque chose d'inconscient me fait peur, et en fait, comme évidemment, ça me dire comme ça, c'est intolérable. Si vous le dites comme ça, enfin, vous vous rendez compte que vous êtes un être complètement détestable et que c'est pas possible. Et donc évidemment, qu'est-ce qu'on fait pour se convaincre que ce n'est pas ça, mais qu'on a bien raison d'avoir peur, en tout cas d'avoir une appréhension à l'égard de ce mouvement? Il faut bien que quelqu'un nous dise qu'en fait, il doit être un peu homophobe, un peu antisémite, un peu violent, un peu d'extrême droite, un peu je ne sais quoi. Vous voyez, hein, tout ce panachage de critiques qui ont commencé à naître très tôt au sein des Gilets jaunes, pour justifier cette peur et cette appréhension au sein de ce petit Paris qui s'est habitué à vivre loin de celui-là et d'être alimenté par ceux qui, s'extrayant du peuple, par ambition, étaient prêts à le renier complètement et à se conformer, à devenir un petit parigot par excellence, pour justement se fondre dans la masse et donc justement montrer par là même sa capacité et ensuite par la suite perpétuer le système de domination qui avait existé. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'il y a une femme que j'aime qui me dit bah, « viens avec moi » et je la suis. Et par ailleurs, en fait, sur les revendications, j'avais parfaitement compris que les Gilets jaunes avaient raison dès le départ. J'avais parfaitement compris que la question de la taxe carburant était une arnaque. Et pourquoi est-ce que j'avais compris? Parce que justement, à travers Wikileaks avait révélé les Macron Leaks. Vous vous souvenez, c'est ces échanges de mails au sein d'équipes de campagne d'Emmanuel Macron. Et dans ces Macron Leaks, il y avait un échange entre Alexis Kohler, donc le secrétaire général de l'Élysée, donc en gros la main droite d'Emmanuel Macron, et son conseiller fiscal, Laurent Martel. Et dans cet échange, il disait, bon, il y a un trou dans la raquette, dans nos finances de X milliards d'euros qui correspondait au CICE. Vous savez, ces allègements fiscaux pour les entreprises qui favorisaient les actionnaires principalement du CAC 40. Allègements fiscaux qui avaient été adoptés pour que ces entreprises du CAC 40 et leurs actionnaires soutiennent en retour Emmanuel Macron pour financer sa campagne et ainsi de suite. Et ils disent, bon, on a un problème, on a fait ça. Ça a créé 40 ou 80 milliards d'euros de trous dans la raquette, donc on n'arrive plus à financer les hôpitaux, les écoles, etc. Tout ça pour aider des gens qui étaient déjà très favorisés. Il faut bien qu'on trouve quelque chose. Et là, il y a littéralement Alexis Kohler et Laurent Martel qui disent bah, la taxe carburant. En fait, on va dire que pour la transition écologique, on a besoin de prélever un peu sur chaque litre de gasoil et d'essence. Et on va, à partir de là, équilibrer les comptes. Et alors certes, il faudra fermer quelques hôpitaux, il faudra fermer quelques écoles, mais bon, ça tiendra. Et donc du coup, dès le départ, et donc ça c'est dans les Macron Leaks, qui au départ, théoriquement, n'était censé servir à rien. Vous vous souvenez, quand la première fois qu'il était publié, on a dit mais c'est un scandale, c'est une tentative de manipulation, etc. Et là, on se rend compte que quelque chose qui semblait anodin, en fait, avait pour vocation à tromper le peuple français et à faire peser sur l'ensemble des populations le financement d'une mesure qui allait aider les quelques mille personnes les plus favorisées, qui avaient déjà plusieurs millions d'euros. Et donc en fait, dès le départ, l'intuition des Gilets jaunes est la bonne. Les Gilets jaunes, au moment où ils se mobilisent, ne sont pas au courant de ces échanges. Ils n'ont pas la preuve qu'en effet, cette mesure a été adoptée pour favoriser les plus favorisés au détriment du reste de la population. Ils n'ont pas la preuve que c'est une spoliation, un système de spoliation qui est en train de se mettre en place. Mais ils le sentent.
Il semble bien que derrière des discours qui sont tenus par Édouard Philippe sur l'écologie, sur l'importance de cet axe protégé, etc., il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il semble bien que par ailleurs, de toute façon, ils sont en train d'arriver à leurs limites en termes de capacité à exister dans cette civilisation de la voiture et ainsi de suite, et que ce n'est pas à eux de supporter ce coup-là, parce que si on leur a vendu des voitures diesel, par exemple, pendant des années, et que maintenant on essaie de leur refourguer une nouvelle voiture, tout ça, ça crée d'énormes bénéfices pour ceux qui les fabriquaient et pour les actionnaires de ceux qui les fabriquaient, et que ce n'est pas à eux de financer par le rachat de nouvelles voitures, par le paiement de nouvelles taxes, etc., la correction de l'erreur qui a été faite par nos gouvernants lorsqu'ils nous ont incités à acheter massivement du diesel. C'est évidemment aux classes dominantes de corriger cette erreur-là. Et donc intuitivement, ils sentent que quelque chose ne se passe pas et que s'ils ne se prononcent pas, s'ils n'avancent pas et qu'ils ne rentrent pas dans la rue, eh bien on va continuer à créer ces mécanismes de spoliation jusqu'au moment où ils ne pourront plus continuer à subsister. Et quand vous rajoutez à ça le mépris avec lequel Macron parlait de nous, en fait, les gens qui ne sont rien, les fainéants, enfin, à traverser la rue, etc., évidemment, il y avait quelque chose qui devait être rompu. Donc je suis d'accord avec ces revendications, surtout je sens le pourquoi de leur légitimité. J'ai les outils, grâce à Wikileaks, pour prouver que les Gilets jaunes avaient raison, ce qui à l'époque n'était pas acquis. Et à partir de là, j'ai quelqu'un qui en fait a la sensibilité qui peut-être à l'époque me manquait et qui me donne ce petit reste, c'est pas du courage, mais de la même façon que pour vous lancer sur le rond-point la première fois, peut-être que certains d'entre vous ils sont allés des premiers actes spontanément, pour d'autres il y a toujours ce truc, j'y vais pas, il fait froid, enfin il y a mille raisons qui font que vous dites bon, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est vraiment que ça va être bien, etc. Et ce que je découvre, c'est quelque chose qui va changer ma vie. C'est quelque chose qui va changer ma vie parce que j'ai rencontré des gens, encore une fois, qui, très loin des caricatures qui en sont faites, très loin du discours qui est tenu sur eux, sont des gens qui sont avant tout à la recherche d'humanité, sont avant tout à la recherche de l'autre, sont avant tout à la recherche d'une forme de dignité qu'on essaye de leur retirer. Et tout d'un coup, en fait, très naturellement, un lien se crée qui va faire qu'on va commencer à lutter ensemble et que je vais me mêler à eux et lutter à leur côté pour essayer de donner un peu des outils que moi, on m'avait donné, de leur rendre, en fait, quelque chose qu'ils m'avaient donné. Parce que ce sont les Gilets jaunes, ce sont les Français qui ont financé mes études, ce sont les Français qui m'ont permis d'avoir le privilège d'avoir du temps pour penser, pour réfléchir, pour élaborer un discours et ainsi de suite. C'est grâce aux millions de Français qui contribuent chaque année par l'impôt, par les taxes, par leur effort tout simplement pour défendre le territoire national, par mille autres actes, que ce soit les présents ou les précédents qui ont créé cette nation française, que j'ai eu la chance, moi, dans ma vie, à un moment donné, de vivre quelque chose de suffisamment confortable pour développer quelque chose. Et donc, évidemment, le devoir qui s'impose dans ces situations-là, c'est d'essayer de rendre ce qu'on vous avait donné. Et après, ça a pris différentes formes. Le fait de mettre Crépuscule en ligne gratuitement, immédiatement, le fait d'accompagner gratuitement tous les Gilets jaunes qui venaient vers moi lorsqu'ils avaient des difficultés, que ce soit, comme je vous l'ai dit, Christophe Dépinger, Maxime Nicole, des Gilets jaunes qui n'ont jamais eu un nom au sens qui réverbérait, mais qui ont eu des actions extrêmement importantes pendant cet événement. Et je me suis retrouvé à côté de ceux qui ont ouvert au Fenwick la porte de Benjamin Griveaux, ce qui est un moment, là encore, un grand moment de joie. On ne s'en rend pas compte, en fait. C'était par hasard, mais c'est intéressant de voir comment, en fait, les médias ont essayé d'assombrir immédiatement l'événement. Vous voyez, en transformant en quelque chose de scandaleux, d'indécent, qui faisait peur, enfin, un danger pour la République, etc. Pour avoir été aux côtés des personnes qui, par hasard, ont trouvé un Fenwick à côté parce qu'il y avait le siège du groupe Saint-Laurent, enfin, vous voyez, la marque de mode qui était en train d'être rénové parce qu'il venait d'acheter un énorme hôtel particulier dans le 7e arrondissement et que comme évidemment personne ne se dit que dans le 7e arrondissement quelqu'un va voler un Fenwick, ils avaient juste laissé les clés du Fenwick dans cet endroit. Hôtel particulier qui a été financé grâce à la fraude fiscale, plus d'un milliard d'euros pour Kering, ça a été révélé les années précédentes. On passe par hasard là-bas parce qu'on ne laissait pas manifester devant l'Assemblée nationale. C'est le jour, on est le 5 janvier 2019, donc c'est le jour où donc Christophe Dépinger, dans ses images, dégage un pont où on essayait d'enfermer des gilets jaunes. C'est le jour où une des personnes qui a sollicité mon aide va perdre un œil. C'est le jour où quelqu'un perd une main près de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui doit se faire. Non, un pied, pardon, c'était un pied c'était un pied ou une main. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il y a eu une main, c'était une main, c'est ça, à partir d'une grenade. Qui détonne à ses côtés. Et donc nous, on se fait sortir dès le matin de l'Assemblée nationale, parce qu'on n'a pas le droit de manifester devant l'Assemblée nationale, c'est quand même assez marquant. Et, sauf qu'en fait, il y a des personnes qui sont venues de toute la France pour manifester ce jour-là, pour se faire entendre, pour voir. Donc vous pensez bien, mais c'est là aussi la bêtise crasse du pouvoir, vous pensez bien que ces gens ne vont pas rentrer chez eux à 10h du mat. C'est-à-dire que vous sortez les gaz lacrymaux dès 10h du mat, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas se dire « Ah d'accord, je rentre chez moi, je reprends mon train et... » Non, non, ces personnes-là étaient là pour se faire entendre, pour porter une voix. Et donc, évidemment,
c'est des personnes qui ne connaissent pas bien Paris, donc en fait, elles se retrouvent à avancer sur le boulevard Saint-Germain, donc, qui part de l'Assemblée nationale. Mais il se trouve, grande chance, que en fait, c'est un tellement petit milieu que tous les ministères, tous les lieux de pouvoir, en fait, sont à quelques rues les uns des autres. Et donc on se fait repousser par des CRS qui nous amènent dans une rue, puis après ils nous referment une autre rue, en fait, en vagabondant, tout d'un coup on se retrouve rue Grenelle, on passe devant un bâtiment avec des drapeaux, et là il y a quelqu'un qui regarde la plaque et qui dit mais c'est chez Benjamin Griveaux, parce qu'il y avait écrit porte-parole du gouvernement. Vous vous souvenez, Benjamin Griveaux, c'était celui qui avait dit, moi, la France de ceux qui fument des gitanes et roulent en diesel, c'est pas ma France. Voilà, vous voyez, donc quelqu'un qui est porte-parole du gouvernement, donc en fait qu'on paye tous très cher pour porter notre parole, pas pour commencer à nous attaquer à partir de ce lieu, qui est un lieu qu'on a réussi à arracher à l'aristocratie, à travers la Révolution française notamment, pour justement faire un lieu du peuple, ouvert à tous. Et c'est quoi la symbolique intuitive, encore une fois, l'intelligence collective du peuple, du Fenwick qui rentre dans les portes du porte-parole du gouvernement, bah, c'est tout simplement justement ouvrir les portes de ce lieu-là. Ouvrir les portes de ce lieu-là et rappeler que ce lieu-là appartient à la France et aux Français, et pas à ces petits marquis qui pensent qu'ils sont en train de se recréer un nouveau fief à partir duquel ils pourraient accaparer le pouvoir pour eux. Et donc quand vous êtes là, que vous vivez ce moment, je peux vous dire que en fait, vous êtes en train d'exploser de rire, parce que c'est drôle. C'est drôle et c'est joyeux. C'est tellement intelligent, tellement simple, vous voyez, tellement, en plus tellement beau, c'est-à-dire le Fenwick, quand même un outil symbolique. Enfin, je veux dire, tout colle. Et c'est là où vous dites quand même l'histoire avec un grand H, enfin, elle a ces choses qui, à un moment donné, produisent du sens, quoi. Et donc évidemment, une fois que les portes sont ouvertes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où on se marre, mais tout de suite après, la seconde après, on se dit « Merde, qu'est-ce qu'on a fait ?» Tout le monde commence à détaler dans tous les sens. Et là, c'était très drôle, parce que du coup, on se retrouve dans les grandes avenues du 7e arrondissement, avec toutes les limousines, des grandes berlines, et à courir à contresens avec des gros CRS avec leur qui essaient de courir. Mais du coup, nous, on trottinait. Enfin, vous voyez, on n'a pas besoin de courir. On les voyait. Complètement désorganisé. Et voilà, ça c'est pour une anecdote du 5 septembre. Mais c'est pour ça que vous dire, enfin, ces événements, on les a tous vécus. Là, c'est en face de la statue de Jeanne d'Arc. Pareil, ils ont réussi à faire reculer. C'était un moment assez triste. Dans mon souvenir, c'était le 1er mai 2019. Une des grandes trahisons des syndicats, des têtes syndicales. Le 1er mai 2019, c'est-à-dire un moment où encore le mouvement est très, très puissant. On a une force, en fait, une capacité de mobilisation très importante. Et où les syndicats volontairement négocient un trajet à Paris qui va nous éloigner des lieux de pouvoir, donc nous amener à l'exact inverse de l'endroit où on devrait aller. Donc ils nous amènent de Montparnasse vers la place d'Italie. Donc c'est pour ça qu'on passe à un moment devant la statue de Jeanne d'Arc après les Gobelins. Et donc, évidemment, il n'y a rien là. Enfin, il y a des gens qui vivent, quoi. Donc il n'y a rien à. Il n'y a aucun point de pression sur les pouvoirs pour leur montrer qu'on est là, qu'on leur fait peur, etc. Et évidemment, plus on avance, et on se rend compte que dans les rues perpendiculaires, il y a des dispositifs policiers qui ont été prépositionnés parce qu'ils savaient très bien en fait ce qu'ils faisaient, pourquoi ils avaient négocié ce parcours, de façon à nous comprimer, nous séparer, nous isoler et en fait nous faire débander. Et donc le 1er mai, ce moment si important parce qu'on aurait pu agréger les forces syndicales qui étaient encore vivantes avec les Gilets jaunes et provoquer une bascule dans ce pays, on nous envoie dans un entonnoir. Place d'Italie, et ça provoque ça. En fait, ça provoque le fait que des gens comprennent qu'ils sont piégés, que c'est une souricière, et quand ils essayent de casser la souricière, et on va agglomérer. Moi, j'étais vraiment à un mètre derrière ce garçon. J'ai une vidéo, en fait, je m'en souviens parfaitement, parce que j'ai une vidéo que je filmais à ce moment-là, et j'ai eu droit à un tir de LBD dans le plexus, vu cité, évidemment, celui-là, c'est une façon de dire coco, c'est pas le moment. Et ça devient une image de violence. C'est-à-dire qu'en fait, de ce dispositif qui vise à vous écraser et à faire taire votre... En fait, ça va être transformé en une forme de barbarie, de volonté de la part des Gilets jaunes de tout casser, d'inconscience, de sauvagerie, en fait, de ces personnes-là, qui s'attaquent à des pauvres... C'était des gendarmes mobiles, on ne se souvient pas des CRS, qui essayent seulement de faire leur travail. Donc, il va y avoir tout un récit qui va être construit à ce moment-là, à partir, encore une fois, de cet accord qui est négocié entre les syndicats et la préfecture de police, qui était déjà, à l'époque, dirigé par Didier Lallement, depuis 2 mois, parce que... Le préfet de police précédent avait été remplacé parce qu'il n'était pas assez répressif. Il n'avait pas eu assez de mains arrachées et d'œil perdu. Et donc, deuxième trahison, parce que la première est intervenue, comme vous vous en souvenez parfaitement, dès l'acte 2, au moment où il y avait des appels à la grève, des préavis de grève de la part notamment des routiers, donc qui auraient pu paralyser le pays. Donc vous imaginez si, ajouté à la masse de personnes qui étaient mobilisées, vous auriez eu toutes les institutions qui sont
plus ou moins contrôlés par les syndicats, dans les ports, dans les gares routières, ainsi de suite, qui avaient bloqué, le pouvoir tombait. Le pouvoir tombait, mais sans aucune difficulté. Et à ce moment-là, les dirigeants syndicaux croient qu'il est plus intelligent de négocier avec le pouvoir d'Emmanuel Macron, enfin je veux dire à quel niveau de déni ou alors de corruption on peut être pour justement se placer dans ce rapport pour réel, et décident en fait de faire annuler les préavis, ou alors, vous vous souvenez, ça c'était peut-être le plus sale en fait, c'est quand la CGT, je pense que c'était la CGT, c'était la section des routiers, décide de faire un appel à la grève pour le lundi. Oui, enfin, de l'acte 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était après, là, au moment de l'acte 3. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est carrément blessant, en fait, quoi, qui est une forme d'insulte et une façon de nous dire vous serez seul, démerdez-vous. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils exposent nos corps. Ils nous mettent en danger. Ils exposent nos corps à ce qui va avoir été, dès l'acte 4, les instructions, en fait. Qui sont, c'est à ce moment-là qu'il y a des instructions qui sont données aux policiers par le gouvernement explicites de frapper, de faire mal, d'atteindre au corps. C'est pour ça que les amputations. Et les épargnements commencent à partir de là à se généraliser, et les blessures de plus en plus graves, il y a en fait un accord à peu près général qui va amener la vulnérabilité de personnes qui sont pour la plupart des citoyens qui ne s'étaient jamais mobilisés, qui n'avaient pas d'expérience de ces luttes de masse et ainsi de suite, qui vont se retrouver seuls face à cette violence et cette cruauté, et qui vont en payer très lourdement le prix. Et qui vont pourtant, malgré cela, tenir, s'engager semaine après semaine, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, il n'y a plus le choix. C'est-à-dire que quand vous avez partagé ces premiers moments avec ces personnes-là, et que vous voyez se mettre en place une mécanique que vous comprenez parfaitement, parce que vous saisissez tout de suite les codes, vous voyez les messages implicites que se transmettent les gouvernants les uns aux autres, les syndicats aux gouvernants, et ainsi de suite. Vous avez été formé pour les décoder, pour savoir comment, en fait, et vous êtes en train de voir, en fait, une machine d'État qui va s'abattre sur ces personnes-là qui n'ont rien fait d'autre que de réclamer de la dignité, que de réclamer des moyens de vie, etc. Et bien, à ce moment-là, votre vie bascule à jamais. Votre vie bascule à jamais, et ça crée des situations particulièrement désagréables, évidemment, et violentes, mais aussi cocasses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis encore très inséré dans tous les réseaux de l'élite, et donc j'ai encore beaucoup d'informations. Et donc, par exemple, cette femme que j'aimais, qui me dit, écoute, en conférence de rédaction, parce que j'étais invité régulièrement au Figaro pour... ils avaient une petite émission télévisée qui mettait en ligne. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà connecté aussi au Figaro. Il y a souvent, en fait, un débat qui apparaît en première page. J'étais un de ceux qui était invité toutes les semaines. J'avais un petit rond de serviette pour parler de je sais pas quoi, je sais pas de quoi je pouvais parler à l'époque d'ailleurs, et donc elle me dit, bah, en conférence de rédaction, elle a dit Branco, on l'a vu plus jusqu'à ce que les choses se calment. Vous voyez, et en fait, il commence à y avoir, à mon sujet, mais de façon plus générale, une organisation de l'omerta médiatique, une organisation en fait de la riposte symbolique à l'égard des Gilets jaunes pour essayer d'écraser le mouvement et peu à peu le réduire à néant, peu à peu essayer d'instiller une honte dans ceux qui participaient à un isolement, une marginalisation, quelque part en fait vous renvoyer de là où vous veniez, c'est-à-dire loin de ce qui pourrait les menacer, et à partir de là, évidemment, de ma part, la nécessité de rester à vos côtés, de continuer à lutter jusqu'à ce que justement la crise du coronavirus et les excuses qui en sont suivies finissent par mettre sous boisseau définitivement un mouvement qui était déjà en train de s'effacer. Et on se retrouve aujourd'hui avec ces situations paradoxales où les fondements de la mobilisation d'époque restent, sinon d'actualité, encore plus d'actualité que ne l'était, avec des personnes qui ont acquis une expérience de la lutte, qui sont aujourd'hui beaucoup moins naïves qu'elles étaient à l'époque. Je suis convaincu qu'une grande partie des Gilets jaunes, quand ils se rendaient sur les champs les premières fois, ne s'attendaient pas du tout à voir se déployer le niveau de violence qui s'était fait contre eux, et ils ne croyaient pas qu'il était possible que cela puisse arriver contre des personnes qui n'étaient là que pour défendre des idées, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a eu un décimement et une perte de croyance et d'adhésion au système extrêmement fort, qui me semble extrêmement salutaire, et dont il s'agit maintenant de comprendre comment est-ce qu'en fait on va pouvoir la mettre en marche pour provoquer de véritables bascules et des changements au sein de ce pays. Et là, c'est le grand enjeu, parce que c'est là où, pour écrire l'histoire, il va y avoir une responsabilité collective et individuelle de chacun d'entre nous très importante. Je crois fondamentalement à l'idée d'insurrection et par ailleurs par la suite de révolution. Je crois fondamentalement, et ça je l'ai dit dès décembre 2018, que si on ne leur faisait pas peur, rien ne changerait. J'ai trop vu à quel point ils étaient attachés au confort qui s'ensuit leur adoption des positions de pouvoir. J'ai trop vu ce que ça coûtait de s'en détacher, la violence que ça implique de s'en détacher, pour penser que quiconque le ferait volontairement. Ça n'arrivera pas. Ces personnes ne lâcheront jamais et ils sont prêts à toutes les vilainies pour se maintenir dans leur position. Et donc vous, votre seul rôle et votre seul espoir, ça va être tout simplement de les pousser dehors et de les faire sortir de leur zone de confort en s'assurant que leur tremblement et leur peur les amènent loin des espaces que jusqu'ici ils ont occupés.
Donc je crois en fait fondamentalement à la forme révolutionnaire et insurrectionnelle, et je crois à votre capacité à la mettre en œuvre. La question, c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser dans un milieu, dans un temps, pardon, où la surveillance est généralisée, où les moyens de répression sont extrêmement développés et où notre vulnérabilité est immense. Parce que, encore une fois, qu'est-ce que nous avons à leur opposer ? Ce sont des corps qui n'ont pas de, qui n'ont aucune forme de protection, qui n'ont aucune, on n'a pas de casque, on n'a pas d'armure, on n'a pas de gilet pare-balles, on n'a rien qui permette de nous permettre, pardon, qui nous aide à éviter leurs coups, à ne pas en subir les conséquences, et il n'y a aucune raison qu'on commence à se sacrifier et à subir volontairement cette violence dans l'espoir qu'un jour, éventuellement, quelque chose changera. J'écris « Abattre l'ennemi », peut-être à tort avec une langue trop soutenue, un reste en fait de mes années de recherche de distinction, c'est-à-dire d'essayer de montrer que j'étais capable de virtuosité, ainsi de suite. C'est à mon avis une erreur importante parce que en fait, j'ai essayé de l'écrire comme un guide, non pas sur le comment faire la révolution, mais que faire de la révolution. C'est-à-dire qu'une fois que vous retrouverez, comme à l'acte 2 ou à l'acte 3, dans une situation où les gens au pouvoir auront prépositionné un hélicoptère pour s'enfuir, ce qui montre d'ailleurs leur attachement et leur intérêt pour le pays, moi j'espère que si un jour je me retrouvais dans une position où j'avais à défendre ce qui avait de plus précieux, pour moi je serais prêt à, en fait, à ce que tout m'arrive pour tenir cette position par dignité, par honneur, pour rendre l'honneur qu'on m'avait fait de l'occuper. Eux, visiblement, étaient plus intéressés par la protection de leur carcasse que le jour où on se retrouve dans cette situation où les policiers, à 150 mètres de l'Élysée, hésitent entre reculer et laisser passer, ou tout simplement essayer de tenir, mais sans véritablement conviction, et que ce jour-là, où on sera à nouveau suffisamment nombreux pour cette fois permettre de traverser ce petit mur, qui n'est pas grand-chose, et de rentrer dans ces lieux-là, on sache pourquoi le faire, et on sache ce qu'il faudrait faire pour s'assurer que par ailleurs ça ne devienne pas une anarchie complète qui fasse encore plus de mal que le mal qu'on avait jusqu'alors subi. Et donc il y a toute une réflexion d'abord et un partage d'éléments qui vous permettront de comprendre comment fonctionne l'État, quels sont les codes qui sont utilisés au sein de l'État, qui fait quoi dans telle institution, ainsi de suite, de façon à ce que vous ne soyez pas intimidé, de façon à ce que vous n'ayez plus l'impression que ces gens-là maîtrisent des choses qui sont hors de votre portée. Ce n'est pas le cas. Je peux vous assurer qu'en fait, ce sont des choses qui s'apprennent très facilement. L'exercice du pouvoir, c'est quelque chose en fait qui est très facile à apprendre. Et à de très nombreuses reprises dans l'histoire, on a vu des personnes qui étaient complètement en dehors de ces structures-là, capables d'y rentrer et d'évincer ceux qui étaient à l'intérieur. Les Gilets jaunes ont fait de même le travail programmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire si un jour on se retrouvait au pouvoir ? Le référendum d'initiative citoyenne, les mandats impératifs et révocatoires, la reprise de contrôle des médias pour que ce ne soient plus des oligarques qui les tiennent, mais des populations et qui représentent véritablement les intérêts de la population, qu'ils essaient d'écrire le réel et pas d'essayer de nous orienter, de nous manipuler. Toutes ces mesures-là, en fait, au bout d'un mois, le mouvement des Gilets jaunes les avait comprises. Et après, on a essayé de les diffuser, de les élaborer, de les installer au sein des assemblées insoumises, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est prêt. Et pourquoi est-ce que c'est important que ce soit prêt ? Parce qu'en fait, les Gilets jaunes, leur légitimité et leur force, et la légitimité et la force d'un quelconque mouvement insurrectionnel ou révolutionnaire, ce sera tout simplement non pas de prendre le pouvoir pour imposer sa vision de la société, mais pour permettre aux Français de reprendre leur contrôle sur eux-mêmes. C'est-à-dire de permettre aux Français à nouveau de ne pas dépendre de représentants, de personnes à qui on donnerait le pouvoir de parler en notre nom. Parce que c'est ça la démocratie aujourd'hui. Hein. Vous avez le droit de voter toutes les X années pour choisir quelqu'un parmi quelques autres qui ont déjà été sélectionnés, qui aura le droit de parler en votre nom sans que vous ayez à aucun moment la capacité de dire « Non, mais attends, là, t'es en train de dire quelque chose, j'étais pas d'accord, moi, j'étais pas élu pour ça, et ainsi de suite. » Donc, évidemment, cette perte de contrôle, s'accompagnant de la manipulation des élections telle qu'on l'a vue, telle que j'ai décrite, en tout cas, dans le crépuscule, avec le contrôle des médias, ainsi de suite, fait que, effectivement, aujourd'hui, en tant que citoyen, votre capacité à peser sur le politique, elle est proche du néant. Vous avez, dans le meilleur des cas, la possibilité de choisir entre tel ou tel acteur du spectacle pour voir celui qui vous semble le moins dérangeant, le plus capable de vous appuyer ou en tout cas d'aller dans le sens que vous voudriez, sans aucune garantie qu'en fait il respecte vos intentions. Donc créer des mécanismes institutionnels qui vous permettent, par exemple le référendum d'initiative citoyenne, c'est tout simplement à chaque fois que vous sentirez que les personnes qui ont été élues pour vous représenter cherchent à utiliser ce pouvoir dans leur intérêt, disons par exemple pour privatiser l'aéroport de Paris alors que ça n'a aucun sens, vous serez en capacité d'intervenir pour leur retirer ce pouvoir et décider à leur place, et faire décider à leur place la majorité. Le mandat impératif et révocatoire, ça fait qu'ils sont obligés de dire ce que vous leur avez demandé de dire, et pas juste vous leur donner un blanc-seing, après les avoir élus, c'est à eux de se débrouiller.
Le mandat révocatoire, c'est tout simplement la possibilité, à tout moment, si vous voyez que la personne est en train de trahir, de le faire remplacer, d'organiser une élection pour le remplacer, quitte à ce qu'il se fasse réélire, si finalement la majorité des citoyens considèrent qu'il faisait bien son travail et que c'était plutôt vous qui aviez mal interprété, ou ainsi de suite. Ces dispositifs-là, une fois que vous faites une révolution pour les imposer dans l'espace institutionnel français, en fait, vous garantissez la possibilité de peser sur le politique à l'avenir, en tant que citoyen, sans avoir à exercer le pouvoir, sans avoir à vous-même devenir député, ainsi de suite. Ça, c'est le tout début. En fait, moi, je détaille après, sur des pages et des pages, toutes les mesures qui pourraient aller toujours dans le même sens. Toujours dans le sens de rendre du pouvoir à la population, non pas pour qu'elle ait à assumer la charge de ce pouvoir au quotidien, parce que je suis sûr que parmi vous, la plupart n'ont pas envie de devenir des politiciens, n'ont pas envie d'avoir au quotidien, d'avoir à prendre des décisions qui vont impacter d'autres personnes, etc. Mais qu'à n'importe quel moment où elles voient que des décisions sont prises qui ne vont pas dans leurs intérêts, tout simplement de récupérer ce pouvoir, d'avoir le droit tout simplement de dire « Non, là, moi, je veux pouvoir intervenir et peser sur la décision. » Et dès le moment qu'on aura recréé ce système, eh bien déjà, on aura à minima amélioré grandement notre possibilité à exister, à subsister, de nous protéger de ces personnes-là. C'est très simple. C'est très simple, mais c'est tellement simple qu'ils ne l'adopteront jamais. C'est tellement simple à adopter, tellement évident, que ça... Mais c'est tellement risqué pour eux de casser en fait ce système de ce qu'ils appellent la démocratie représentative qui a été mise en place depuis 2 siècles, qui leur permet d'exister en tant que classe, en tant que telle. Parce que du coup, les journalistes, les députés, les conseillers ministériels, tout ce petit monde en fait s'entretient, s'auto-sélectionne, passe par les mêmes systèmes qui peuvent leur permettre en fait de se protéger du reste de la société. Si vous cassez ça, vous leur enlevez leur sens, le sens de leur vie, pardon. Vous leur enlevez leurs privilèges. Les salaires extrêmement favorables qu'ils ont perçus jusqu'ici, tout ça perd en fait de son intérêt pour la société et donc du coup les amènera à ne plus exister. Et donc évidemment, ils vont s'accrocher, mais jusqu'au bout du monde, pour que ça ne change pas. Et donc vous allez être obligé, action après action, d'accroître les pressions, de la pression sur eux jusqu'à ce qu'ils vous lâchent ça, aminent ça. Et une fois qu'ils vous auront lâché ça, eh bien là, vous pourrez faire adopter toutes les autres mesures sur le contrôle des médias, sur les questions économiques, sur l'appartenance ou non à l'euro, à l'Union européenne, sur les contrôles des loyers, sur tout ce qui devrait être discuté et qui n'est jamais discuté, dont vous n'entendez jamais parler dans les médias sur les questions de pauvreté, ainsi de suite. Vous pourrez en fait à nouveau re-avoir prise sur l'espace démocratique et réexister en tant que citoyen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous considérez que telle mesure devrait être adoptée, avoir la possibilité de la soumettre par des consultations successives aux gens qui vous ressemblent, jusqu'à ce qu'éventuellement elle soit adoptée, sans qu'il y ait à un moment quelqu'un dans le petit Paris qui ait décidé de vous bloquer parce que ça n'intéressait pas ou parce que ça dérangeait ses intérêts. On est dans une société qui est extrêmement dégradée, comme vous le savez, non seulement à l'échelle horizontale, c'est-à-dire même pour des gens qui seraient insérés socialement, ainsi de suite, déjà la violence des rapports hiérarchiques au pouvoir, ainsi de suite, sont extraordinaires, mais en particulier pour les plus vulnérables. De la petite enfance, avec, on l'a vu, le rapport Sauvé qui a révélé le nombre de victimes de pédophilie au sein d'une institution comme l'Église. Donc, qu'est-ce que c'est par rapport au nombre de victimes réelles? On parle déjà de 300 000 personnes, imaginez-vous, à l'échelle de la société, combien il y en a eu, avec une impunité complète qui s'est construite jusque-là. Donc, dès l'enfance, une vulnérabilité très importante, qui évidemment s'accroît à mesure que vous éloignez des classes dominantes, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes d'autant plus vulnérable à la prédation de gens plus puissants que vous, que vous êtes considéré comme étant plus bas dans la société, et vos enfants le sont plus, jusqu'aux personnes les plus âgées, avec le scandale des EHPAD, qui permet à des fortunes de se constituer. Le sort de nos anciens est devenu un enjeu financier qui permet à des personnes de devenir milliardaires. Il y a des personnes qui sont devenues milliardaires grâce à leur cynisme, grâce à leur capacité à laisser crever des personnes dans des institutions où elles ne devraient jamais être traitées comme elles le sont, et à tirer, c'est le cynisme au carré, et à tirer des sommes faramineuses de ceux qui, pour une raison X ou Y, n'étaient plus en mesure de s'occuper directement de ces personnes-là et qui les ont confiées à ces institutions où elles vont finir par être broyées. Donc cette double prédation sur, en fait, qui est le fruit de la dégradation des structures traditionnelles et familiales, ainsi de suite, qui font qu'on n'arrive plus, aussi du fait de transformation économique, la réduction des tailles de logement, on n'arrive plus à prendre soin des personnes qui nous entourent. Encore une fois, je pense que les Gilets jaunes sont nés de ça, de cette forme de violence qu'on ressentait tous au sein de la société. C'est pas seulement les questions économiques, la capacité à survivre pour des raisons matérielles. Et c'est là où on voit à quel point ils sont déconnectés là-haut. C'est-à-dire, ils ont paniqué complètement au moment de la hausse des prix du gaz il y a un mois. Et vous avez vu partout dans les débats, dans l'espace public, dans la télévision, des débats sur est-ce que les Gilets jaunes vont renaître.
et voyait bien qu'en fait, il paniquait. Il ne posait pas la question de est-ce que les gens sont en train de souffrir. Non, non, c'est est-ce que les gilets jaunes vont renaître, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter. C'était la seule façon dont ils avaient de poser leur. Ils n'ont pas compris que la question matérielle était essentielle, mais que ce qui était tout aussi important, c'était la violence que l'on subissait du fait de cette société qui ne fonctionne plus comme elle devrait l'être, au-delà de la question de l'argent. C'est-à-dire dans le rapport à l'autre, dans la capacité à recréer du lien, à se rencontrer, à lutter contre la solitude. La question de la solitude, aujourd'hui en France. L'importance de la question de la solitude. Le nombre de personnes qui se désespèrent chaque soir en allant s'endormir chez eux parce qu'ils n'ont parlé à personne. Qu'est-ce que ça dit de ces 30 dernières années, de ces 40 dernières années, de comment en fait on a peu à peu cassé tout ce qui jusqu'ici nous permettait de rencontrer d'autres gens, de se sentir accompagné, de quoi qu'il arrive pouvoir de demander un service à quelqu'un, que ce soit le voisin, que ce soit le cousin qui était resté dans le quartier à côté, et ainsi de suite. Toutes ces formes de violence beaucoup plus implicites, qui ont été parfois mesurées, je parle souvent de cette étude de l'INSERM qui a mesuré à 15 000 morts par an les conséquences du chômage, 15 000 morts par an, 450 000 personnes en 30 ans, en France, du fait du chômage, du fait des conséquences en termes de santé, de conséquences cardiovasculaires, en termes de santé psychique, de dépression, de suicide, 15 000 morts par an. Ça fait 450 000 personnes qu'on aurait pu sauver et qu'on n'a pas sauvé parce qu'ils s'en foutent complètement, parce qu'ils ne seront jamais au chômage. Ces personnes-là, pour une partie, ont un travail à vie et pour une autre, gagnent des rémunérations qui leur permettront de ne jamais avoir à se préoccuper de la précarité, ainsi de suite. Et ces personnes-là, par ailleurs, ont construit des bulles dans lesquelles la solidarité là est très forte. Et dès le moment qu'en fait vous y rentrez, on parle parfois de la Villa Montmorency, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une sorte de petit quartier au sein de Paris, grillagé. Donc, à l'intérieur de Paris, vous avez un espace public à laquelle vous n'avez pas le droit d'avoir accès, sauf si vous habitez dans un des hôtels particuliers de la villa, qui coûte plusieurs de dizaines de millions d'euros chacun, et dans lesquels, donc, il y a des gardiens qui empêchent que quiconque n'appartienne pas à ce petit cercle ville, où vous retrouvez Xavier Niel, Nicolas Sarkozy, Arnaud Lagardère, etc. Et là, je peux vous dire que la vie de voisinage, elle est au complet. Avec les domestiques, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent encore, qui s'assurent des tâches du quotidien. Et là, on a du temps pour s'occuper de l'autre, pour s'assurer que l'autre va bien, pour se rendre des petits services, pour s'assurer que l'enfant va pouvoir faire le stage au bon endroit, qu'il va avoir le bon prof particulier qui va lui permettre d'intégrer la bonne école, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, qu'il va connaître le bon professeur de chirurgie esthétique à l'hôpital américain, qui va s'assurer que votre botox ne sera pas visible lors de la prochaine opération de communication de Louis Marchand dans Paris Match. Enfin, vous voyez, le bon journaliste qui va vous permettre à un moment donné d'étouffer tel scandale, au contraire de mettre en valeur tel exploit que vous aurez produit, et ainsi de suite. Et donc, d'un côté, une sorte de sursolidarité qui est permise par l'abondance de ressources, qui fait qu'on peut être très généreux quand on a beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est même plus une qualité humaine. Enfin, c'est juste, heureusement qu'il y en a qui sont généreux dans ces cadres-là, parce que sinon, enfin, qu'est-ce qui serait? Souvent, parfois, ils ne sont malgré tout pas. Moi, je me souviens de discussion avec Xavier Niel, ou quand je lui parlais d'un projet, que ce soit pour investir dans un film d'un grand réalisateur ou pour essayer d'aider quelqu'un, etc., il me répondait toujours « Juan, souvenez-vous, je n'ai qu'un objectif, gagner de l'argent. » Il a déjà 7 milliards d'euros en banque. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a plus de 50 ans passé, marié à Delphine Arnault, donc fille de la plus grande fortune du monde, Bernard Arnault, qui a plus de 200 milliards d'euros lui. Donc si vous divisez par 4 le nombre d'enfants d'Arnault, ça fait ouais. Allez, disons 50 milliards d'euros, ils ont essayé de s'exiler fiscalement en Belgique pour ne pas avoir payé de taux de succession, d'impôt de succession, ils y ont renoncé quand ils se sont rendus compte que ça serait peut-être un peu mal reçu. Et du coup, ils en sont. Donc disons, allez, 30, 40 milliards, ou allez, à tous les deux, 50 milliards d'euros. Ils ne pensent encore qu'à gagner de l'argent. Ils ne pensent encore qu'à gagner de l'argent, et du coup, en fait, avec son beau-père, qui disait le détester au départ parce que son passé de proxénète, ainsi de suite, faisait qu'il n'était pas très fréquentable, en fait, maintenant, il a fini par dire qu'il était plutôt sympa et que. Ils allaient investir ensemble. Et du coup, ils n'investissent que dans l'immobilier, pour spéculer. Enfin, vous voyez, ça, leur petite excitation, leur petit plaisir aujourd'hui, 200 milliards et 7 milliards, hein, enfin, je veux dire. Enfin, c'est, allez, on va acheter un hôtel à Courchevel, un autre à Saint-Martin, et on va le revendre dans 3 ans, et on va se faire une timbale, ou on va racheter, par exemple, à la PHP, donc, vous savez, les hôpitaux parisiens, dans l'hôtel particulier où était le musée en hommage aux médecins. Pourquoi ? Parce que la PHP doit s'en débarrasser pour essayer de payer un peu les salaires qu'ils n'arrivent plus à payer, parce que les budgets sont réduits, parce qu'on a adopté le CICE pour leur donner de l'argent à eux. Donc avec l'argent qu'on leur donne, ils nous rachètent des biens qui étaient publics, et ils s'installent dans un hôtel particulier, et ils le revendent. Ils l'ont revendu 5 ans plus tard, en multipliant par 5 le prix. Parce qu'en fait, évidemment, il avait été vendu à un prix qui était beaucoup plus bas que celui qu'il aurait dû être. Et moi, j'ai adoré quand Martin Hirsch, le directeur de la PHP, il y a quelques mois, il a dit « Oui, mais j'aimerais bien construire avec l'aide des généraux bienfaiteurs qui voudront bien m'aider. J'ai contacté un certain nombre
de personnes qui sont très généreuses, des liens et compagnie, un musée pour les soignants. Je veux dire, enfin, à un moment donné, oui, faisons-en, parce que enfin, c'est même plus du cynisme, en fait. Parfois, je me demande s'ils y croient. Enfin, j'ai l'impression qu'ils croient eux-mêmes à leur propre fable, vous voyez. Enfin, ils ont créé un tel système de déni qu'ils sont en capacité de se dire qu'en fait, ça passe, quoi. Donc voilà, donc maintenant, en fait, on va peut-être avoir droit, on ferme la parenthèse. Mais pour vous dire que dans cette névrose obsessionnelle qui, en fait, ne rend pas très heureux et qui ne vous donne pas très envie de passer vos vacances avec eux, quoi. Enfin, vous voyez, à un moment donné, et a fortiori de devenir leur esclave en devenant leur employé, y compris si c'est... Enfin, parce que le PDG, ce que je disais tout à l'heure à Montpellier, le PDG de Carrefour, c'est l'employé de Bernard Arnault. Donc, je veux dire, un truc complètement extraordinaire qui vous permet d'arriver à devenir PDG d'une des plus grosses boîtes du CAC 40, vous restez quand même le chien de Bernard Arnault qui, à un moment donné, vous dit « tu fais ça, tu fais ci », et en fait, vous n'avez pas le droit de discuter, quoi. Vous faites ce que... Donc, dans le meilleur du meilleur des cas, c'est-à-dire vous avez réussi à vous distinguer de façon à arriver tout en haut de la pyramide, vous allez toujours être en dessous d'eux, et donc si vous avez un minimum de dignité, c'était un peu mon cas, vous dites « ouais, ça va, merci, enfin, genre, je vais essayer de m'organiser différemment », et m'organiser différemment, c'est en fait essayer de réfléchir à un système qui permettra de me débarrasser de personnes comme vous, et de les rendre au commun, aux gens normaux, avec l'espoir que ça vous rende plus heureux, et que ça rende vos enfants plus heureux, de vous sortir de cette bulle, de sortir de cet enfer que vous avez créé vous-même, où le seul plaisir que vous finissez par tirer, c'est de coucher avec des prostituées, comme ils le font régulièrement. Xavier Niel adore raconter, en plus ce qui est incroyable, c'est qu'ils adorent le raconter, il adore raconter parce qu'il en est très fier. Quand Elon Musk vient visiter Paris, en fait ils font ce qu'ils appellent la tournée Grand Duc, en fait ils vont coucher, enfin faire des orgies avec des prostituées, c'est-à-dire qu'ils doivent payer pour aimer. Vous voyez, c'est des gens les plus riches et les plus puissants du monde, et pour avoir accès à un peu soit de chaleur, soit de plaisir, ils sont obligés de payer des personnes pour le faire, quoi. Donc quand vous arrivez à ce niveau de déréliction, en fait, du système, où les personnes les plus haut placées, il n'y a plus rien pour les envier. C'est quoi, en fait, leur plaisir? C'est d'avoir une Lamborghini? On a peut-être envie de conduire une Lamborghini une fois. Est-ce qu'on a envie d'entretenir une Lamborghini? Non, ça devient compliqué. Vous voyez, il y a des petits trucs qui peuvent vous faire... Est-ce qu'on a envie d'aller aux Maldives une fois? Peut-être que vous avez envie d'aller aux Maldives une fois, peut-être pas. Dans tous les cas, vous n'aurez pas envie de passer votre vie aux Maldives. Enfin, vous voyez, il y a un moment donné où ils n'arrivent même plus, leur mode de vie n'arrive même plus à créer une forme de désirabilité. Vous n'avez pas envie de faire tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous asservir à des âmes quelque peu avariées qui sont encore en train de spéculer sur des appartements dans Paris pour essayer de gratter quelques centaines de milliers d'euros sur les miens. Ça ne vous intéresse pas, vous voyez. Donc en fait, du coup, il y a une sorte de dégagement progressif d'une partie de la société, y compris des personnes qu'ils avaient formées pour leur succéder, pour les appuyer, pour les acheter, ainsi de suite, qui fait que, qu'est-ce qui leur reste comme outil pour essayer de maintenir le pouvoir? Puisqu'ils n'arrivent pas à tirer et à corrompre, la violence et l'écrasement. L'écrasement, la violence symbolique, la violence évidemment par rapport aux populations, mais y compris par rapport à ceux qui, au sein de ce petit Paris comme moi, essaient de se détacher, leur faire payer de toutes les manières possibles imaginables, les salir par tous les moyens possibles imaginables, pour qu'en fait, ils ne fassent pas exemple, pour que d'autres personnes ne suivent pas leur voie, pour qu'à un moment donné, le système tienne, et qu'on se rende compte que, certes, c'est peut-être pas glorieux avec eux, mais il vaut mieux ça à se retrouver banni de la société, potentiellement en prison, ainsi de suite, ou ayant perdu un membre, un œil, etc., du fait d'avoir pris un chemin divergent. Et donc, par rapport à ça, plusieurs leçons. Tout simplement dire que la nature du pouvoir, par essence, elle est destructrice, quelle qu'il soit. Que ce qu'il faut penser, c'est non pas des personnes pour les remplacer, parce que ça n'a aucun sens. Par nature, ces personnes-là vont finir par adopter, si ce n'est eux, leurs enfants, enfin, il va y avoir un retour de l'histoire qui va vous ramener à la même situation. Il faut créer des mécanismes qui vous assurent que vous ne dépendrez jamais de personnes comme celle-ci, qui fera que vous n'aurez pas à vous demander si vous devez leur faire confiance ou pas. Que la question d'avoir à leur faire confiance ne se pose pas, parce que vous serez assuré à tout moment de pouvoir leur retirer le morceau de pouvoir qui leur a été donné, et après réfléchir aux méthodes visant à les faire trembler et à les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Je crois qu'il est très facile en France de dévaster ce pouvoir, parce que contrairement à ce que vous pensez, il est extrêmement fragile et que vous êtes extrêmement puissant. Parce que ce que vous pensez est partagé par une grande partie de la population. Que vous avez, par votre sincérité, par votre vécu, par votre expérience et par votre rapport à l'autre, des choses qui n'auront jamais. Ce sont des personnes qui, certes, ont appris à dominer, certes, ont appris à utiliser les outils du pouvoir, mais qui ne sauront jamais parler aux autres comme vous savez leur parler, et qui ne sauront jamais convaincre les autres de leur sincérité, de leur vérité, comme vous saurez le faire. Vous ressemblez aux Français qui souffrent, vous êtes en mesure de les convaincre que c'est avec vous qu'ils doivent s'allier, et non pas à eux qu'ils doivent se servir. Et donc à partir de là, je pense que l'un des éléments principaux pour commencer
à mettre en œuvre cette lutte, c'est ne pas vous laisser déterminer par les décisions qui sont prises à vous. Je veux dire dans votre engagement politique. Il ne faut pas que vous laissiez déterminer par les discours politiques et médiatiques et que vous soyez en réaction systématique à leur égard. Il faut que vous parliez aux personnes qui sont à côté de vous. Et il faut que vous leur parliez de eux et de vous. Et c'est seulement par ce lien, par la puissance de ce lien que vous allez commencer à créer, vous allez être en mesure, au moment où en effet, ils commettront une erreur, au moment où en effet, par l'équivalent de la taxe carburant, ils mettront à nouveau des centaines de milliers de personnes dans la rue, que vous serez en mesure de les dévaster. Après, on pourrait parler des modalités techniques d'une insurrection. Je ne suis pas sûr que ce soit très prudent de le faire dans la position où je suis actuellement, mais ça me semble assez évident que... À l'échelle de villes comme la ville de Bourges, les lieux, les cardinaux, c'est évidemment les préfectures, les hôtels et les palais de justice. C'est des endroits où, d'un côté, on donne des ordres aux forces de l'ordre, et de l'autre, on condamne et on écrase ceux qui se font choper lorsque vous êtes en insurrection. S'il y a deux points cardinaux de pouvoir, c'est cela, c'est pas la mairie, c'est pas les conseils régionaux, c'est pas évidemment les hôpitaux, c'est pas les casernes, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas envie de se faire massacrer. Donc la première chose, c'est évidemment faire sentir votre présence dans ces lieux-là, par tous les moyens possibles et imaginables. Les plus pacifiques, si vous êtes pacifiste, les plus éreintants, si vous êtes dans un rapport déjà de tension vis-à-vis du pouvoir, c'est-à-dire, rendez-leur leur vie, la vie difficile, de façon à ce que, un, ce soit désagréable pour eux de faire ce qu'ils font. Assurez-vous que ça devienne désagréable pour eux de faire ce qu'ils font. Assurez-vous de ne pas partir en tête brûlée, c'est-à-dire vous mettre une position qui sera difficile légalement parlant, pénalement parlant ou autre. Assurez-vous de ne pas agresser, de ne pas vous attaquer à des corps directement. Ne faites pas du mal à des personnes qui restent des êtres humains parce que ça serait commencer à les ressembler, à leur ressembler. Ça vous ferait commencer à devenir ce qu'ils sont et donc quelque part vous corrompre avant même de vous être rendu compte que vous avez trahi ce pourquoi vous étiez initialement engagé, mais sans avoir peur de leur discours sur la question de la violence. D'accord ? Parce que la violence, c'est ce qui nous inflige au quotidien. C'est pas le fait de casser trois vitrines ou de prendre des mesures qui vont les ralentir dans leur action et les intimider. La préfecture, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est les yeux de Paris. Paris ne voit ce qui se passe sur le territoire qu'à travers la préfecture. La préfecture agglomère les informations qui viennent de l'ensemble des services de l'État dans le département concerné et fait remonter une synthèse à Paris et attend des instructions qui redescendent de la préfecture. Donc la préfecture, ce n'est pas seulement les yeux, mais c'est aussi les pieds et les mains de Paris. C'est-à-dire que les décisions de Paris seront ou ne seront pas appliquées selon que la préfecture sera plus ou moins efficace, plus ou moins inquiète et plus ou moins en capacité de tenir le territoire. Si vous réussissez à faire sentir aux personnes qui sont aux manettes dans les préfectures que ce qu'ils font risque de leur coûter beaucoup parce que ça va être très inconfortable de se déplacer dans le département parce qu'ils vont sentir qu'à chaque fois qu'ils sortiront quelque part, ils vont trouver des personnes déterminées à leur faire entendre que la volonté populaire n'est pas celle qui s'exprime et ainsi de suite, ça va remonter, et ça va remonter avec toujours plus d'empressement. Le préfet, à un moment donné, il va dire, là, les cocos, il faut faire quelque chose, parce que moi, je sens que la température commence à monter, et qu'à un moment donné, moi, il faut que je prenne des décisions, et, parce qu'il faut que je me protège, il faut que je protège les personnes qui sont autour de moi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est extrêmement important que vous ayez conscience que, politiquement parlant, le nœud, le cœur névralgique, c'est celui-là. Évidemment, l'équivalent à Paris, c'est l'Élysée et les ministères. C'est l'ensemble des dispositifs, en fait, qui donnent des instructions aux préfectures et qui tiennent le territoire de cette façon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous rentriez et que vous fassiez une puits en velay? Je reviens de Guyane, où j'ai défendu des personnes qui... donc c'était des syndicalistes, mais aussi des militants associatifs, qui ont créé un mouvement en 2017 qui s'appelle les 500 frères, qui est un peu l'équivalent des gilets jaunes sur place, et qui d'ailleurs ont toujours considéré les gilets jaunes comme étant en fait leurs frères en combat dans ce qu'ils faisaient. Vous imaginez pas, ça si c'est très fort, l'impact qu'ont eu les gilets jaunes à l'échelle de la planète, sur de très nombreux mouvements sociaux qui en fait ont eu une admiration extraordinaire à l'égard du peuple de France. C'est la première, moi honnêtement, je n'ai pas d'autre exemple, et pourtant je me suis beaucoup intéressé à la question, où les personnes les plus vulnérables et les plus fragilisées de la société avaient le courage de se réunir, de prendre la rue pour essayer de botter les fesses du pouvoir en place. Ça n'existe pas. C'est toujours en général plutôt les classes moyennes, les enfants des classes moyennes, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà insérées au sein de... Et que ceux qui ne sont rien, pour reprendre la terminologie de Macron, aient eu le courage et la beauté de se dire « mais moi j'ai le droit d'exister en tant que citoyen ». Ça c'est un truc très français. Ça c'est un truc très français, je peux vous dire que les gens ont regardé ça en se disant « ouah, quand même, il y a quelque chose là qu'on n'a pas été capable, nous, dans les différents pays, de faire ». Les Guyanais, donc quelque part des Français, avait réussi à le faire en 2017 avec cette association. Et le 21 juillet 2020, alors qu'ils étaient en train
de péricliter parce qu'il n'y avait pas un CHU en Guyane, vous imaginez ce qui a pu se passer pendant cette période, ils vont devant la préfecture pour manifester. Alors tous les débats, pendant l'audience d'appel là, qui a eu lieu, c'était de savoir s'ils ont essayé de mettre le feu à la préfecture ou s'ils ont fait un feu de palette à côté de la préfecture. Moi, j'ai plutôt défendu que le feu de palette était à côté de la préfecture. Et que certes, les flammes ont un peu léché la préfecture, mais que c'était l'effet du vent, et que bon, il n'y avait aucun danger parce que c'était pied de ciment, etc. Quoi qu'il en soit, ils ont été condamnés en première instance, donc avant que je vienne, à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, pour un feu de palette à côté de la préfecture. Et enfin, factuellement, c'était ce que c'était. C'est-à-dire, il y avait 6 palettes et 4 nœuds. Enfin, je veux dire, avec ça, c'est un énorme bâtiment. Les piliers sont en ciment, il y a des grilles en fer. Enfin, je pense que s'ils avaient voulu foutre le feu à la préfecture, ils auraient su comment le faire, ça n'aurait pas été comme ça. Et donc, mais vous voyez tout de suite, en fait, une violence institutionnelle extrêmement importante. Ils ont choisi très soigneusement des têtes des associations qui se mobilisent depuis 2017 pour réclamer plus de moyens, etc. Et donc, alors qu'il y avait des gens qui mouraient au quittien parce que l'État les abandonnait littéralement, alors, et qu'il n'y a jamais eu une poursuite, hein, jamais eu une tentative d'essayer de rechercher les responsabilités sur pourquoi est-ce qu'on avait créé cette situation, eux, ils se sont fait prendre, mettre en garde à vue d'abord, puis 8 mois plus tard en détention provisoire, et sont pris une peine de prison qui est extrêmement ferme, qui est extrêmement importante. Est-ce qu'il est utile d'en arriver jusque-là? Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire du tout. Ce n'est pas nécessaire du tout parce qu'en fait, à ce stade, vous allez vous faire du mal sans avoir un mouvement suffisamment organisé autour de vous pour vous protéger, pour vous sortir de là et pour faire pression sur les institutions pour s'assurer que vous ne sortiez pas de là. Par ailleurs, c'est quelque peu dangereux pour les corps qui, au sein de ces institutions, travaillent, certaines avec beaucoup de sympathie pour ce que vous faites. Pas là-haut, mais il y a des agents administratifs, il y a des secrétaires, il y a des personnes qui essayent simplement de gagner leur vie simplement. Je sais qu'il y a une greffière qui est ici, par exemple, au tribunal de justice. Enfin, des personnes qui n'ont aucune vocation à devenir des victimes du combat qu'on va mener. Par contre, faire sentir votre présence par le truchement de manifestations, par le truchement d'opérations d'obstruction, qui fasse que ce soit difficile de sortir en voiture, de la préfecture, etc. C'est-à-dire faire sentir que, justement, il y aura une difficulté à exercer leur pouvoir à ce moment-là, je pense que ça sera très utile. Ces mesures, ces actions, il ne faut les mettre en œuvre qu'au moment où il y a une grande mobilisation sociale. Ne faites jamais ça au moment de creux. Préparez-vous à ce genre d'action, formez-vous à mener des actions qui déstabilisent le pouvoir en place. Ne les menez jamais si vous êtes seul. Ne les menez jamais si, en fait, le seul destin qui va être le vôtre, ça va être celui de devenir un corps anonyme, quelqu'un qui va être sacrifié pour la cause, et que personne ne sera en mesure de sortir de là, parce que la pression ne sera pas suffisante pour le protéger à ce moment-là. Préparez-vous, ne vous brûlez pas, et ne faites pas de mal avant tout à vous-même, parce que vous êtes précieux, et parce que vous êtes important, justement, de par votre conscience, de par le temps que vous prenez pour réfléchir à ces questions, vous êtes des personnes qui, de par l'expérience que vous avez accumulée ces dernières années de lutte, vont pouvoir aider ceux qui demain sont en difficulté, en précarité, on aura besoin de vous. Donc préparez-vous, réfléchissez à toutes les façons qui vont vous permettre, le jour où on aura de nouveaux actes de gilets jaunes, de cette fois être un peu plus efficaces, de les faire un peu plus trembler et de les forcer à lâcher beaucoup plus que ce qu'ils ont lâché jusqu'ici, sans penser que vous pourrez faire le grand soir tout seul. Mais si, conférence après conférence et diffusion de cette parole après diffusion de cette parole et de paroles similaires sur l'ensemble du territoire, on commence tous à se préparer à ce que le moment venu, justement, nous soyons capables d'effets politiques bien plus importants que ceux qui eurent lieu le 17-24 novembre et ainsi de suite, 2018, je peux vous assurer que le destin de ce pays changera, et ce sera justement parce que dans chaque ville qui semblait distante du pouvoir, sans capacité à peser sur son destin, et ainsi de suite, des personnes comme vous auront réfléchi en avance à la façon qu'ils avaient, aux moyens qu'ils pouvaient mobiliser, pour faire trembler ces personnes et pour faire avancer ce pays. Voilà.
Alors, ouais, attends, j'ai donné la parole. T'as une question déjà ou... Ouais, alors c'est juste pour dire, ben, merci beaucoup déjà à Rod Morocco pour cette intervention très, très riche. Et puis, à la fois sur ton retour de ton parcours et puis sur toutes les pistes que ça ouvre en tout cas. Et effectivement, on va faire passer le micro s'il y en a qui ont des réactions, pas forcément des questions, mais des réactions. Alors, faut s'organiser, mais je vous dis, mais je pense qu'il faut s'organiser vite. Actuellement, parce que là on fait des actions, moi je mène des actions depuis cette semaine, la semaine avec des autres personnes et tout ce qu'on a au cours, et bon, on n'avance pas tellement, il n'y a rien qui bouge. Alors comment, alors moi je suis toujours en train de vous poser la question, comment, où je peux trouver des gens qui vont aller un petit peu plus dans le dur? Voilà, là il va falloir peut-être combattre ces gens-là. Et je peine à trouver, moi je trouve qu'on est tendre, trop tendre. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses sur les réseaux ou ailleurs et tout. Mais voilà, les réseaux c'est bien, mais faut. Ouais. 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 En fait, je pense que ce genre d'intervention est très utile parce que du coup, vous êtes identifié. Bon. Pas seulement par des personnes qui sont proches de nous, mais probablement par l'ex-RG qui peut traîner parmi nous. Oui. Mais bon, ça c'est peut-être l'aspect négatif, mais l'aspect positif, c'est que ceux qui justement cherchent à s'organiser, je l'espère, viendront vers vous, et viendront vous parler, viendront réfléchir avec vous à des modalités d'action et à des façons de rester en contact, etc. En tout cas, je vous incite vraiment à ça. Et ce genre d'événement est aussi très important pour cela. Et si ma notoriété et ma médiatisation peuvent servir à quelque chose et être utile, c'est le fait de rassembler des personnes autour d'une conférence que je vais donner, qui elles-mêmes après vont se rencontrer et vont pouvoir partager les moyens de... Oui, parce que j'étais au Conseil constitutionnel à Bourges, j'étais le seul, je suis rentré à l'intérieur. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait des personnes qui viennent, et pas d'action violente, hein, de pouvoir s'exprimer et autres. Oui, parce que c'est... Au Conseil... Ah oui, je suis pas dedans, excusez-moi. Et donc, j'ai été étonné aussi qu'il n'y a pas de... Parce que moi, je pense que pour combattre le système, parfois, il faut rentrer dans le système. Comme vous dites, il faut les embêter. Oui, mais c'est vrai que c'est une opportunité importante. Moi, j'invite les gens à les embêter aux élections, sur les marchés, dans leur permanence et tout, en étant correct, sans violence, sans rien, et même s'il y a un RG ce soir, moi, j'ai rien à craindre, je ne suis pas influent. Hein. Voilà. Ouais. Moi, oui, bah oui. Si bon, demain, si je suis mort, c'est quoi? D'accord. Si j'avais un conseil à vous donner sur la... Ouais. N'oubliez pas une chose, quelle que soit votre opinion sur ces sujets, les Gilets jaunes avaient réussi au début du mouvement à avoir 85% du soutien de la population. Ça, c'est très, très important. Et en fait, il faut que vous retrouviez une plateforme qui fasse suffisamment consensus pour vous approcher de ce genre de soutien. C'est seulement dans cette situation-là que les actions qui seront menées pour ralentir les processus électoraux, pour ralentir la préfecture, pour les embêter un peu, pourront avoir de l'effet. Parce que si ce n'est pas le cas, ce à quoi vous allez être confronté, c'est simplement, en fait, d'une part, une violence répressive d'État qui va se sentir légitime, parce qu'elle va dire, mais regardez, en fait, soit ils sont minoritaires, soit etc. Et en fait, vous allez vous faire écraser, symboliquement, mais aussi pénalement, et ainsi de suite, sans aucune raison. Donc faites très attention avant de rentrer dans cette logique-là. Et c'est pour ça que je disais, préparez-vous surtout au moment où à nouveau on aura trouvé la façon, en fait, de faire peuple à nouveau, de s'unir à nouveau et de trouver quelque chose de suffisamment commun qui fasse qu'on soit en mesure de provoquer cette bascule. Moi, la question de l'impatience, je la connais pas particulièrement parce que pendant les Gilets jaunes, on pensait que chaque semaine, on jouait notre dernier vatou. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement était si vivant. Parce qu'en fait, on avait peur chaque semaine que la semaine d'après, on se retrouve seul ou beaucoup moins nombreux. Et on sentait qu'il y avait une opportunité historique. On sentait bien que le pouvoir était à un niveau de fragilité énorme, que nous, on avait une capacité énorme à mobiliser, qu'il y avait une approbation
très importante du reste de la société, et que donc il y avait un moment clé. Et donc en fait, on s'est tous quelque part enivrés dans cette idée de savoir c'est cette semaine. Et on pensait en fait à très court terme comme ça, convaincu par ailleurs que c'était maintenant ou jamais, et que si on décide de commencer à penser sur le moyen terme ou long terme, en fait on allait gâcher ce moment-là et que ça allait ne servir à rien. Moi je pense, même si c'est une situation aujourd'hui qui est par beaucoup d'aspects bien plus violente que celle qu'on connaissait à l'époque, parce qu'il y a une dégradation très importante du quotidien de nombreux Français, qu'il faut qu'on commence à réfléchir, non pas sur un long terme, je ne vous parle pas d'années, mais qu'on commence à réfléchir d'abord au-delà de quelques semaines, sur des questions de mois, où il y a une élection présidentielle qui arrive. L'élection présidentielle, elle a une capacité très forte à créer des divisions au sein des Français, à vous désolidariser, à faire, vous allez commencer à vous arracher la tête parce qu'il y en a un qui va aimer Zemmour, l'autre qui va aimer Mélenchon, et le dernier qui va dire finalement Macron c'est pas si mal, il veut faire adopter un projet de réforme de la sécurité sociale. Non mais je vois quelques personnes qui font une tête comme ça, mais je vais vous dire que ça va marcher. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit non mais finalement j'ai changé, la crise sanitaire m'a fait prendre conscience de je sais pas quoi, je vous promets qu'aujourd'hui tout le monde va avoir une sécurité sociale universelle, on va l'inscrire dans le marbre, etc. Vous qui êtes ici, vous n'allez peut-être pas basculer. Mais ailleurs, des personnes qui pourtant étaient avec vous lors des premières semaines des Gilets jaunes vont dire mais en fait, après tout, si j'obtiens ça, pourquoi pas. Et donc, dans cette énorme machine à créer du spectacle, à vous diviser, à vous séparer, à vous faire violence, vous allez avoir beaucoup de mal mobilisés. Souvenez-vous que la fragilisation du mouvement des Gilets jaunes, elle intervient à la veille des élections européennes. Qui sont quand même l'élection la plus insignifiante de la Terre. Qui s'intéresse aux élections européennes. Et malgré ça, l'élection européenne a produit un effet au sein des Gilets jaunes assez dévastateur, où on a commencé à se dire, ouais, mais est-ce qu'il faut quand même voter, pas voter, etc. On a commencé à ne parler que de ça. Et du coup, en fait, on a perdu notre énergie, notre capacité à mobiliser. Et après, derrière, c'était très difficile de redémarrer. Juste dire une autre chose, c'est tout après. Mais je pense qu'on n'aura jamais 85% de gens qui seront d'accord avec nous. On le voit très bien en ce moment-là. Il y a des gens qui sont la tête dans le sable, qui acceptent tout le gouvernement. On n'aura jamais. Si on attend d'avoir 85% de gens, même qui nous comprennent, on ne les aura jamais. Non, je ne dis pas attendre. Je dis ouais. En fait, il faut que ce soit l'objectif. Vous ne pouvez pas vous satisfaire du fait qu'une partie de la population est avec vous, mais que vous sentez bien en fait qu'une autre partie de la population, elle est complètement hermétique à vos arguments. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'on a réussi à atteindre ces 85%, c'est les sondages de début décembre 2018, ça montre que c'est possible. Ça montre que si on se réunit, si on revient à quelques fondamentaux qui ne sont pas clivants, la question sanitaire, le grand problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a des Français très sincères qui savent très bien que ce qui se passe est scandaleux, mais qui ont peur. Ils ont peur. Et en fait, vous ne pouvez pas rentrer dans un rapport de rupture avec ces personnes-là. Si en fait vous n'êtes pas capable de les sortir d'abord de cette situation d'angoisse par rapport à leur vie, la vie de leurs proches et ainsi de suite, vous n'allez jamais réussir à faire quoi que ce soit, si ce n'est vous faire écraser en retour. Vous faire écraser en retour parce que par peur, quand quelqu'un a peur et a fortiori a une peur vitale, il est prêt à tout. Il est prêt à tout et il est prêt à accepter toutes les compromissions, toutes les inégalités, toutes les violences contre ceux qui pourraient être désignés comme ceux qui colportent une menace à leur égard. Et c'est évidemment la stratégie qui a été adoptée par le pouvoir. Comment est-ce qu'ils ont fait pour éviter de s'effondrer alors qu'ils ont fait n'importe quoi? C'est de s'assurer que ce soit nous qui devenions responsables de la situation. Le pass sanitaire, l'objectif du pass sanitaire, c'est ça. Et la question vaccinale, aller au-delà. Essayer de réfléchir à pourquoi est-ce que la question vaccinale est devenue si centrale. Et dans quelle pièce potentiellement on rentre en s'enfermant sur cette question seulement, c'est-à-dire en ne portant un discours que sur cette question. Parce que du coup, en fait, en faisant de la question vaccinale sans lui donner un caractère obligatoire, justement une question qui serait la clé de la lutte contre la situation, etc., ça fait que celui qui ne se vaccine pas, c'est lui qui est responsable. C'est plus le gouvernement. Et donc c'est contre lui qu'il faut lutter. Et donc à partir de cette horizontalisation, eux, ils peuvent continuer à régner tranquille, et en fait, nous, on est en train de se détruire. C'est exactement la même chose pour le pass sanitaire. L'objectif du pass sanitaire et de la locution terrifiante du 12 juillet, du président de la République, c'était de faire descendre la violence, la violence qui naturellement aurait dû se jeter sur eux, pour leur faire payer ce qu'ils étaient en train de nous faire subir, et dire non, maintenant, les cocos, vous démerdez, vous vous contrôlez entre vous. Maintenant, c'est à vous-même de vous assurer du statut sanitaire de l'un et de l'autre, de vous engueuler au café parce que y en a un qui demande le pass sanitaire et l'autre lui dit hey, « Coco, ça fait 30 ans que je viens là, arrête là. » Et l'autre, en fait, dit « Oui, mais moi, je me prends une amende de 5000 euros si je me fais contrôler. » Et dans ces logiques-là, en fait, vous désactivez politiquement complètement. Et donc, à partir de là, en fait, il faut qu'on soit plus intelligent qu'eux, qu'on voit où est le piège et qu'on voit comment le contourner de façon à recréer un discours et des actions qui nous permettent de retrouver l'ensemble de la population, y compris ceux qui ont peur et qui ont fini par avoir peur de nous et non pas d'eux,
Alors que ça, c'est la première chose que j'ai dit quand j'ai vu cette pandémie commencer à venir en France. J'ai fait une déclaration, enfin j'ai fait un truc sur YouTube, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la crise du coronavirus, et j'ai dit, ne les laissez pas vous toucher. Ils vont vous convaincre que vous êtes des dangers les uns pour les autres, qu'il faut que vous cessiez de vous voir, de vous accoler, et ainsi de suite. C'est eux qui sont en train de vous mettre en danger. C'est d'eux dont il faut vous protéger. C'est de eux, de leur discours, qu'il faut se tenir à distance. Parce qu'en fait, ils vont profiter de cette situation pour mettre le germe au sein de société d'un virus qui va vous autodétruire en tant que forme sociale. Et donc, faites très attention à ne pas vous enfermer et faites très attention à ne pas rentrer dans un jeu d'hystérisation contre hystérisation face aux citoyens français qui, comme vous, sont dans une forme potentiellement de rébellion et d'empathie à votre égard, mais qui, pris par la peur et manipulés par ce pouvoir, en fait, sont prêts à tout accepter, y compris de vous voir dévastés. Ce ne sont pas vos ennemis. Même s'ils accepteront que nos ennemis soient prêts à tout pour vous détruire, même s'ils sont dans une situation où ils sont prêts à vous voir en tant qu'ennemis, nous ne devons pas les considérer comme des ennemis, mais comme des personnes qu'il faut rapprocher de nous pour les convaincre, pour nous accompagner à nouveau dans la lutte que nous mènerons demain. Moi, je voulais juste dire, au niveau du vaccin, c'est la première fois où on accuse des gens qui ne se servent pas d'un médicament de l'inefficacité de ce médicament. C'est « tu ne portes pas des chats, c'est pour ça que j'ai mal à la gorge ». C'est la première fois qu'on accepte ça. Ils sont très très forts. Non, mais même le fait d'avoir rendu acceptable et normal qu'on puisse vous poser la question de savoir si vous êtes vacciné. Je veux dire, qu'on n'ait pas réussi à résister à ça et de leur opposer collectivement, hein, ça ne te concerne pas, Coco, ce n'est pas ton problème. Et si tu penses que c'est ton problème, quoi qu'il arrive, je n'ai pas à te répondre sur la situation sanitaire. C'est quelque chose, en fait, déjà, qui montre le degré de torsion des principes fondamentaux, notamment de notre droit à la vie privée, dans laquelle on s'est soumis du fait d'un péricide des politiques de ce gouvernement. Parce qu'on a vu très bien que cette crise, avant d'être sanitaire, c'est une crise hospitalière. C'est une crise des moyens de l'hôpital et de soins qui font que ceux qui étaient en panique, et la panique qui a touché la majorité des Français, c'est une panique qui est avant tout une panique des élites. Ils ont eu peur de perdre leur contrôle sur nous, parce qu'ils voyaient bien qu'à force d'avoir mis à l'os l'hôpital, on était dans la capacité d'affronter le moindre petit virus nouveau qui pouvait émerger, que ça risquait de déstabiliser l'ensemble du système de soins et du coup de faire que des gens ne seraient plus soignés pour d'autres affections, pour leurs AVC, leur cancer, etc. Et ils savaient bien que si ça arrivait, c'était la fin pour eux. Parce que à quoi ça sert que l'on se soumette à autant de contraintes, que l'on paye autant de taxes, d'impôts, etc., si ce n'est même pas pour être soigné, si ce n'est pour qu'ils ne soient même pas capables de protéger nos corps. Donc, ils savaient très bien qu'ils jouaient quelque chose de fondamental là-dessus, donc ils étaient prêts à nous enfermer pendant 3 mois, plutôt que ça arrive, et plutôt qu'en fait une révolution ne naisse de cette situation-là. C'est ça la véritable raison du confinement. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour sauver des vies. Sauver des vies, c'est le cadet de leurs soucis. C'est pour préserver un système qui était en train de s'effondrer. Qui était en train de s'effondrer du fait de choix qu'ils avaient fait les 30 dernières années, qui ont trait au système de soins et ainsi de suite. Et c'est donc par rapport à ça que la peur, panique qui s'est saisie de ces dirigeants, en fait, quel a été le rôle des médias et de leurs paroles? Ça a été de la diffuser. Ça a été de s'assurer que vous la ressentiez et que ce qui était une peur des dirigeants devienne une peur des citoyens. Et que vous pensiez qu'il y avait un danger vital immédiat pour chacun d'entre vous, y compris si vous aviez 18 ans et que vous aviez 0,0% de chance de mourir du coronavirus, le nombre d'articles et d'émissions et d'interventions que j'ai vues en disant « Non, non, il y a des jeunes dans les soins de réanimation, il y a des jeunes qui meurent, vous ne les voyez pas, mais je vous assure qu'il y en a, etc. » Jusqu'à ce qu'on trouve, ce qu'on ait enfin les chiffres de l'INSERM sur l'année 2020, on a vu que l'âge médian des morts du coronavirus était 85 ans et l'âge moyen 82 ans, donc c'est-à-dire exactement l'espérance de vie des Français à la naissance aujourd'hui. Pendant des mois, en fait, on nous a fait... Pourquoi est-ce qu'ils mentaient sur des choses aussi secondaires? Encore une fois, c'était pour s'assurer que la peur se diffuse dans toutes les strates de la société. Vous voyez, que vous commencez, ce ne soit pas seulement les plus âgés, mais dans l'ensemble de la société, et que du coup, il y a une acceptation beaucoup plus importante des mesures de contrainte qu'ils étaient en train de mettre en œuvre, encore une fois, pour sauver leur pouvoir, et pas du tout pour sauver la population. Merci pour votre intervention. Moi, je voudrais vous poser plusieurs questions. En particulier, j'ai vu sur YouTube des vidéos de Maître Claude Zucosa qui dit que depuis le 15 novembre, le pass sanitaire n'a plus de valeur légale. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et puis, également, je voudrais savoir quelle
le jugement vous portez sur l'arrivée des élections présidentielles. Avec moi, pour ce que je crains, c'est qu'on nous force un jour à avoir des élections électroniques et que donc tout ça soit une porte à une grosse manipulation. Et puis également, je voudrais connaître votre opinion sur la montée en puissance de M. Zemmour dans les médias. Enfin, est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que c'est un vrai contre-pouvoir? Merci. Merci de ces questions. En fait, bizarrement, j'ai la même réponse pour les trois. C'est que je trouve que c'est des questions étrangement trop spécifiques. C'est-à-dire que ce soit sur la légalité, enfin l'aspect réglementaire plutôt qui concerne le pass sanitaire, que ce soit sur la question du rôle de l'élection, du vote électronique dans l'élection présidentielle ou le rôle d'Éric Zemmour, je pense et j'espère vous convaincre, j'espère vous avoir convaincu, et si j'y suis pas arrivé, j'espère que le mois prochain j'y arriverai, que l'enjeu aujourd'hui est beaucoup plus profond. On est sur un enjeu, en fait, il faut qu'on retrouve les moyens de notre souveraineté en tant que citoyen. C'est-à-dire notre capacité à prendre ses décisions et de ne pas dépendre de si le gouvernement décide de respecter telle ou telle loi ou de respecter le résultat de telle ou telle élection, étant donné que ces élections, dans le cadre actuel, ne vont amener qu'à un changement marginal de l'existant. Donc, sur que ce soit exactement de la même façon que la question sur Éric Zemmour, à laquelle j'ai répondu à une conférence de Poitiers, que j'ai donnée à Poitiers, à l'Université de Poitiers, à laquelle peut-être je vous incite à revenir, parce que j'écris de façon détaillée des ressorts oligarchiques sur lesquels il s'appuie. Alors, en gros, on a une alliance entre Bolloré et Dassault, avec derrière des financiers secondaires comme Charles Gave et les élites technocratiques représentées par Sarah Knafos et les reprises de campagne. Bref, on pourrait rentrer dans le détail, je pourrais vous montrer en fait comment il y a une construction qui a pour objectif principal, non unique, mais principal, de permettre à Bolloré de faire pression sur Macron. Donc même pas pour... Donc Bolloré, c'est propriétaire de CNews, CNews, et maintenant il a mis le grappin sur le groupe Lagardère, donc Europe 1, JDD, Paris Match. Bolloré, c'est quelqu'un avec une idéologie proche du catholicisme le plus conservateur. Et il considère que cette idéologie n'est plus assez représentée dans l'espace public français. Et donc lui, comme il détient plein de médias, il s'est dit bah, « je vais le remettre en avant ». Jusque-là, quelque part, c'est presque plus sain que Macron qui n'a juste aucune idée, et Bernard Arnault Xavinien qui est juste quelqu'un qui n'a pour seule fonction que défendre leurs intérêts, et qui s'en fiche complètement. Là, celui-là, il a au moins un début d'idée. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est de droite ou de gauche. Bon, au moins, il essaie de pousser des idées à travers ses candidats. C'est quand même quelqu'un qui va à ses rendez-vous les plus importants avec son abbé confesseur à côté. Enfin, je veux dire, c'est quand même un chrétien un peu particulier. Mais, donc Bolloré est dans cette idée-là. Et si ça tenait qu'à ça, on pourrait dire, bon, bah, finalement, si le système oligarchique permet de promouvoir telle idée, mais aussi telle autre, et que quelque part, il y a une concurrence entre deux ou trois idées comme ça, est-ce que ça pourrait me convenir? Ben, j'espère que non, mais en tout cas, ça ferait qu'il y aurait une facilité. Mais en fait, Bolloré, il a certes quelques idées, mais ce qui est important, c'est la protection de son business. Son business, notamment, c'est les ports en Afrique de l'Ouest, donc le pillage des ressources africaines, ainsi de suite. Business qui a absolument besoin du soutien d'État pour continuer à prospérer. Or, Macron, il l'a pas très bien traité. Macron l'a pas très bien traité, donc Bolloré n'est pas très content. Et Bolloré, la seule chose qu'il veut, c'est créer quelque chose de suffisamment inquiétant pour que Macron se dise, en fait, zut, je dois mieux traiter Bolloré. Vous voyez? Et donc, en fait, il y a du coup, c'est pour ça que vous voyez du jour au lendemain, mais vraiment de nulle part, l'explosion d'un candidat assez baroque, assez particulier, je veux dire, à tous les niveaux, qui a pour vocation de vous exciter, de créer du spectacle, que vous soyez de droite, vous dites, ah, enfin, quelqu'un qui dit la vérité, ou de gauche, vous dites, oh, là, on rit complet, enfin, je sais pas où ce pays va, et du coup, vous allez me dire, si vous êtes de droite, ah, ben voilà, j'allais voter, je vais défendre, je sais pas quoi, nanana, c'est de gauche, je vais dire, ben non, ben, moi, je vais voter pour l'autre, parce que ça va permettre d'empêcher celui-là d'arriver au pouvoir, et donc, du coup, en fait, évidemment, c'est un effet bénéfique pour le système électoral en tout. À 6 mois des élections, heureusement qu'il y a eu cette résurgence pour le système, parce que sinon, enfin, franchement, les gens étaient dans un tel état d'apoplexie par rapport à ce qui se passait, de désintérêt par rapport à leurs primaires. Vous voyez, vous avez vu, par exemple, les primaires, ça ne marche plus du tout. Alors, ils avaient réussi à vous inventer ça sur les élections précédentes pour essayer de maintenir une forme d'excitation. Là aussi, alors, on va vous donner la possibilité de jouer à la cour des petits chevaux entre les différents, alors que tout était évidemment pipé au PS, PS comme ailleurs. Et donc là, bah, on invente ce nouveau truc. Alors, leur problème, c'est que ça risque d'être... la mèche risque d'être un peu courte, quoi. Enfin, il risque de se retrouver à 3% dans 9 mois. Peut-être pas, hein, mais je veux dire... en fait, il y a une excitation tellement... une verticalisation tellement délirante sur le personnage. Je pense qu'on en a tous déjà un peu marre, en fait. Vous voyez, et je pense qu'en fait, très rapidement, il va y avoir en fait une sorte de redescente tout aussi brutale. Hein. Oui, bon, okay, on a compris, Gargamel, c'est gentil, mais en fait, pas tant. Et donc, peut-être qu'ils vont devoir, du coup, réinventer autre chose.
parce qu'on n'est que en novembre, c'est que dans 6 mois, il faut tenir le faut tenir le rythme, parce que leur objectif, c'est de s'assurer qu'il y ait suffisamment de gens qui participent, non seulement pour se légitimer et légitimer le résultat de l'élection, mais surtout s'assurer que derrière, tous ceux qui ont participé auront naturellement un réflexe d'obéissance, même si leur choix final n'a pas été celui qu'ils auraient espéré. Parce que dès le moment où vous avez participé au système électoral, c'est quelque part, vous y avez un peu cru. Et donc quelque part, parce que vous êtes des êtres un peu moraux et un peu éthiques, vis-à-vis de vous-même, vous allez vous dire, non mais, je dois leur laisser une chance. Enfin, c'est pas parce que j'ai perdu que je vais finalement, maintenant, du jour au lendemain, devenir un insurrectionnaire, révolutionnaire, et ainsi de suite, vous voyez. Et donc en fait, ils ont très peur du fait qu'il y ait une masse trop importante de gens qui se détachent, et donc de masse qui sont en fait déjà dans une situation pré-révolutionnaire, alors même qu'ils n'ont même pas commencé à exercer leur nouvelle structure de pouvoir. Et donc par rapport à tout ça, moi j'incite au détachement. Ok, c'est sympa, c'est distrayant de voir toutes ces histoires de ça. Enfin, quand vous rentrez le soir à la télé, c'est plutôt marrant. C'est vrai que Zemmour, au terme discursif, pas du tout sur les idées, mais il y a un peu le débat, parce que il essaie de faire référence à 3-4, enfin, au moins il y a 3-4 références historiques, quoi. Il essaie de parler du roi des Zigots, je ne sais pas combien d'autres politiciens sont capables de le faire. Donc, du coup, on a l'impression d'apprendre quelque chose vaguement pendant. Et bon, au bout de la troisième fois, vous vous rendez compte que c'est toujours la même histoire et qu'en fait, il ne sait pas grand-chose de plus que les autres et vous passez autre chose. Et donc, ok, si vous voulez regarder, vous distraire, etc., avoir de quoi parler avec des amis de temps en temps, mais surtout, s'il vous plaît, ne croyez pas. C'est une farce, c'est un spectacle et ça n'a vocation à ne rien changer. Même encore une fois, si vous étiez d'extrême droite, vous avez bien vu que Zemmour, il y a 10 ans, était contre l'euro, contre l'Union européenne pour la sortie de l'euro, etc. Donc, quand même, là, pour le coup, des enjeux fondamentaux. Aujourd'hui, ah non, finalement, l'euro se passe si mal. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, pour arriver à une position qui est la sienne, de visibilité, ainsi de suite, il faut payer votre ticket d'entrée. Et votre ticket d'entrée, bah, c'est sur un certain nombre de décisions qui, là, touchent directement aux intérêts des puissants, bah, vous n'avez pas intérêt à y toucher. Et donc, en l'occurrence, les questions monétaires, ainsi de suite, vous vous taisez. Et donc, est-ce qu'il faut s'y intéresser? Moi, je trouve plus rigolo que les préfectures. Mais bon, enfin, après, c'est Ouais, et du vote électronique, pareil, en fait, moi considérant que c'est pas très amusant les élections, ils peuvent les faire en vote électronique, enfin, c'est pas un problème, quoi. Enfin, voilà, ils peuvent piper, pas piper, il faut comprendre que ces élections sont pipées pas par le trafic des votes, elles sont pipées par le fait que, en fait, vous allez devoir choisir entre des personnes qui ont été présélectionnées, qui ont eu accès à la visibilité parce que ça contenait à l'agenda de tel ou tel oligarque, et ainsi de suite, et que, in fine, en fait, votre capacité à peser à travers le vote est quand même proche de zéro. C'est en ça que l'élection est pipée. Donc, évidemment, peut-être qu'eux, ils veulent en rajouter pour s'assurer d'un contrôle encore plus important, mais ça m'étonnerait qu'ils en ressentent le besoin, en tout cas d'ici 2022. Enfin, pour eux, là, le système tel qu'il existe est suffisant pour tenir, pour s'assurer que quel que soit le candidat qui, in fine, va l'emporter, ça soit plus ou moins contrôlé, que les dangers soient limités. Regardez, je suis désolé, je prends que des références à l'extrême droite, alors c'est pas du tout ma famille politique, mais l'évolution de Marine, du Rassemblement National. Alors, hallucinant, pareil, sur l'euro, sur la souveraineté, enfin, comment ils ont basculé, encore une fois, sur les questions économiques, donc sur les questions qui touchent à leurs intérêts. Comment, en fait, ils sont passés de noir à blanc, dans l'espoir que ça leur permettrait de se faire adopter par ces gens-là, et donc, in fine, d'arriver au pouvoir. Ils sont prêts à vendre père, mère et la souveraineté des Français, tant que ça permettra d'arriver au pouvoir. Et donc, ils ont maintenu leur discours sur des questions secondaires, sur les questions de mœurs et compagnie, mais sur la question des piliers qui vont impacter votre avenir demain, là, pour le coup, ils sont déjà complètement rangés, ce qui a permis d'ailleurs l'émergence d'une autre candidature que celle dont on parlait. Sur Broussa, pardon. Donc voilà, donc, en fait, pourquoi je disais, c'était. Je vais apporter les mêmes raisons. C'est parce que, non, en fait, donc, non, aujourd'hui, il n'est pas illégal. Maître Broussa, bon, moi, en fait, j'ai pas le droit de parler de mes confrères, ni en bien, ni en mal. Enfin, on a un principe dans la profession. Donc, j'ai rien à dire sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Je ne peux pas faire de commentaires. Mais ce que je vous dis juste, c'est que je ne crois pas du tout, en fait, et je pense que, en fait, ça a été démontré, je ne crois pas du tout à l'efficacité de la lutte par le droit contre des décisions politiques. On n'y arrivera pas. S'ils ont une volonté politique suffisante, ils s'imposeront aux règles de droit, on l'a vu. Et donc en fait, c'est peut-être des purgatoires, ça peut être rassurant d'essayer de le tenter, ça peut faire du bien de sentir qu'on est nombreux, c'est de rencontrer d'autres personnes, de faire ses billets, etc. Et dans les faits, c'est voué à l'échec, non pas parce que ce qu'ils ont fait ne serait pas bien, contrairement à ce qu'on essaiera de vous raconter, ou sera mal fait juridiquement, etc., mais parce qu'en fait, on est sur des enjeux purement politique, des enjeux de rapport de force de pouvoir, et que donc le droit étant l'instrument du politique et l'ayant toujours été, c'est toujours important d'aller se battre
pour un gilet jaune qui risque sa prison, etc., parce qu'en fait, vous êtes sur un corps individuel et qu'il peut y avoir une marge de décision qui va faire que vous allez réussir à réduire la souffrance qu'il va subir, mais sur des enjeux aussi importants qu'une décision comme celle-ci, vous n'avez aucune marge de manœuvre, juridiquement parlant, ou une marge de manœuvre qui est marginale. Donc, il n'y a pas d'espoir d'obtenir par une action judiciaire le renversement d'une décision qui a été adoptée par le truchement d'une ordonnance gouvernementale et par une décision de l'Assemblée du Sénat. Alors, merci déjà d'être venu nous voir, d'avoir tenu ce discours de bon sens. J'ai cru qu'il avait réussi à éradiquer de la surface de la Terre. C'est comme le coup disant pas réussi. Ça fait vraiment du bien. Donc, merci pour ça. Et maintenant que j'ai eu le genre de lancer des fleurs, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous, avec votre positionnement actuel, vous êtes coupé d'une partie de votre famille et amis proches ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il est utile de continuer à perdre du temps, d'essayer de convaincre les gens qui ne veulent pas voir ce qui se passe ? Et si oui, comment vous y prenez ? Merci. C'est peut-être trop tôt sur la première question, je pense que c'est peut-être trop tôt pour moi de savoir ce que ça a véritablement produit, parce que c'est des effets long terme. Ça a clairement affecté mon rapport à mon entourage, ça a clairement été extrêmement violent, et ça va continuer à l'être. Ça a été violent pour moi, mais aussi pour les gens autour de moi, parce que l'effet isolant produit par le chemin que j'ai emprunté affecte des personnes qui n'ont pas fait ce choix, mes parents, vous voyez, c'est à dire que par ricochet, eux vont subir les conséquences d'un choix qui appartenait. Et c'est évidemment un des outils les plus importants pour vous inhiber, pour vous intimider, pour vous empêcher de continuer sur cette voie, c'est que vous voyez bien en fait les conséquences délétères que ça produit, y compris sur les personnes que vous aimez, et ainsi de suite. Comme vous savez, ça a brisé mon intimité de façon extrêmement violente. On a essayé de me salir et on continuera à me salir de façon atroce, parce que justement portant sur ma capacité à aimer, et sur mon rapport à l'autre, en fait, par l'accusation de viol qui a été lancée à mon égard. Je pense qu'en fait c'est la chose la plus sale qu'il pouvait faire, parce qu'elle a vocation à me faire le ressembler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils me prennent par leurs défauts, par leur inhumanité, et ils essayent de m'assimiler à cela pour évidemment derrière me détruire et m'empêcher de pouvoir continuer à avoir ce rapport de confiance et quelque part de naïveté dans mon rapport à l'autre, c'est-à-dire d'acceptation de l'autre sans crainte de double fond, triple fond, de piège, et évidemment, de l'autre côté, créer une crainte des personnes à mon égard. Une inquiétude, que ce soit dans les relations intimes ou évidemment socialement, en se disant « mais est-ce que cette personne est véritablement ce que l'on pensait qu'elle était ?» et ainsi de suite. Et cela, c'est très difficile à mesurer ce que ça produira. J'ai vécu avec Julian Assange, qui a été accusé à tort pendant 9 ans de viol, une affaire très très similaire. Et j'ai vécu à ses côtés ce que ça faisait. Enfin, la violente humiliation que ça pouvait produire, évidemment, le violent isolement et la violence sociale que des personnes qui ne réfléchissent pas assez ou qui tout simplement ne vous connaissaient pas ou s'intéressent à ce sujet de loin vont rejeter sur vous par préjugé, tout simplement parce qu'en fait ils n'ont pas le temps de fouiller la question, etc. Et parce qu'ils considèrent qu'en effet la lutte contre les violences sexuelles est importante et que donc par défaut il faut tenir à l'écart, ce que je comprends parfaitement, les personnes qui pourraient être assimilées d'une façon ou d'une autre à celle-ci. Et du coup, en fait, ça crée un effet extrêmement violent où à n'importe quel moment, vous êtes vulnérable au fait que quelqu'un vienne vous agresser et que quelqu'un vienne vous lancer quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez, qui va faire qu'en fait, vous risquez une forme d'effondrement psychique et ainsi de suite. Et donc, on m'avait prévenu, j'avais reçu des avertissements assez clairs et évidemment, ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini tout simplement parce que, en fait, ça fragilise à tous les niveaux. Et ça expose notamment, et c'est pour ça que j'ai toujours dit ça, je continue à le redire, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui est dans la situation qui est la mienne aujourd'hui. Parce qu'en fait, il est potentiellement vulnérable à toute forme de chantage, toute forme d'exposition. Il suffirait que j'ai une autre fragilité, je ne sais pas, par exemple, que j'ai eu une dépendance à quelque chose, vous voyez, ou que j'ai dans le passé fait quelque chose, ou me soit arrivé quelque chose, ainsi de suite. Et en fait, dans la situation qui est la mienne, et ça, vous ne pouvez pas le savoir, naturellement, il serait parfaitement facile de me tenir à travers l'accusation, à travers le fait où j'ai rencontré quelqu'un il y a 3 mois qui était, elle aussi, envoyée, ou ainsi de suite, et que je ne sais pas, où maintenant on me dit, maintenant, en fait, tu sais, et c'est à toi de voir, soit tu te rends,
soit on active la bombe à un retardement et vous tombez. Ou alors, envoyez quelqu'un. Enfin, vous voyez, mille façons, en fait, de faire que la position est beaucoup trop précaire. Et cette précarité, je vais devoir la porter à vie. Parce qu'en fait, ça crée une présomption qui, toute la vie, va rester. Toute la vie, à un moment donné, un quelconque incident ou une quelconque accusation fausse, etc., qui reviendrait avec un minimum de crédibilité, et c'est fini. La présomption d'innocence ou d'y avoir au sein des personnes qui vous connaissaient, qui vous avez entendu, qui voient bien dans quel contexte, etc., éclate, et on finit par redire, bah, tant pis pour vous, et là, vous êtes définitivement mort socialement. Et donc, vivre en sursis comme ça, c'est la meilleure façon qu'ont toujours trouvé tous les pouvoirs pour transformer un révolutionnaire en révolté. C'est-à-dire pour le pousser à la faute. Vous voyez, à travers la précarisation de sa situation, à travers la violence qu'il a subie, cette personne, n'importe quelle personne dans une situation comme ça, va chercher à se raccrocher à n'importe quoi pour survivre. Soit une explication complotiste sur ce qui lui est arrivé, soit une question d'ego, il va se dire « je suis persécuté par des grandes puissances, je ne sais pas quoi, et puis c'est évident que c'est n'importe quoi », soit au contraire, une vulnérabilisation complète de son être, un effondrement de sa confiance en lui, en l'autre, un isolement, et ainsi de suite. Bref, mille façons de faire qui vont faire que vous n'avez plus d'isolement. Et c'est pour ça aussi que cette lutte, depuis le départ, son importance et sa préciosité, ça a été de s'assurer de ne jamais dépendre de personnes comme moi, de ne jamais dépendre d'un corps. Parce qu'il n'y a pas plus classique comme outil au sein du politique tel qu'il existe aujourd'hui que de salir le corps pour détruire une idée. Et si on accepte de rester dépendant d'un corps particulier pour porter nos idées et nos engagements, on s'expose tout simplement à demeurer asservi jusqu'au restant du monde. À être toujours en attente que quelqu'un règle le problème à notre place. Et dans cette position d'infantilisation, quelque part, on accepte déjà l'existence. Et donc, là où je suis heureux, c'est qu'avant même tout ce qui m'est arrivé pendant cette période, parce qu'il y a eu ça, mais auparavant, ils avaient foutu en taule pour avoir cru, vous vous souvenez, avoir Berger qui m'a signalé au procureur de la République, je cite ces mots, pour avoir armé les esprits en écrivant Crépuscule. J'ai adoré. C'est vraiment, j'étais là, mais voilà, je veux dire, elle ne se rend même pas compte que c'est la plus belle chose qu'on puisse dire d'un livre. Enfin, et en considérant que Crépuscule incitait à la commission de crimes et délits. Enfin, j'étais là, mais bon, magnifique. L'année d'après, avec l'affaire Rigaud, on a essayé de m'attribuer le geste qui avait été commis par mon client pour essayer de me faire rallier le barreau. Enfin, vous voyez, je veux dire, ça fait un moment que la pression monte, et qu'à chaque fois, en fait, les accusations sont toujours plus graves et le danger plus immédiat, de façon à me déstabiliser, à m'isoler, etc. Et moi, ce dont je suis content, c'est qu'avant même que tout ça intervienne, mon discours était déjà celui-là. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire et pour penser à votre place. Je suis là pour vous donner les outils que j'ai accumulés au cours de mon passage dans ces instances-là pour redevenir l'un d'entre vous. En fait, à terme, l'importance, c'est que je perde ma valeur. C'est qu'en fait, je sois un parmi vous et que l'on soit tous en capacité, que vous ayez été en capacité d'agglomérer ce que moi, enfin de récupérer ce que moi j'ai aggloméré par mon travail, et ainsi de suite, de façon à ce que vous ne soyez, que je n'ai plus en fait de valeur particulière, qu'en fait on finisse par s'ennuyer morbidement lors de ce genre de conférence, on finisse par rien, on n'a plus besoin d'entendre. Et à ce moment-là, ça voudra dire que ma mission, ce que je m'étais promis de faire, sera arrivé à son terme et que je pourrais probablement plus jamais reprendre une vie normale, c'est certain, mais qu'en tout cas, voilà, il y aura un passage de relais qui fera que quoi qu'il m'arrive, en fait, on n'aura pas besoin d'en passer par une héroïfication de ma situation, par un sacrifice de ma part ou quoi que ce soit. Simplement, en fait, aura été fait ce qui devait être fait, et chacun d'entre vous sera en capacité de prendre le relais. Alors après, c'est sûr que, encore une fois, moi, j'ai eu le privilège, et je continue d'avoir le privilège, parce que vous me l'avez offert, et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup fait peur, donc en fait, Crépuscule est en libre accès, mais finalement, on a fini par trouver un éditeur quand ils ont vu qu'il a été téléchargé plus d'un million de fois. Vous vous rendez compte, plus d'un million de fois, le PDF. Donc évidemment, les éditeurs, là, se sont dit, bon, bah, il y a un coup à faire. Enfin, ok, ça nous met en difficulté. Donc évidemment, les gros éditeurs ne l'ont pas récupéré, mais il y a eu deux petits éditeurs, dont un qui était à Revers, qui était Gilles Lio depuis le premier jour, et un autre qui est Florent Massot, qui est quelqu'un de très important, qui se sont dit, allez, on y va, on prend le risque, même si juridiquement, on sait que ça risque d'être compliqué, ça sera balancé. Et vous avez été 150 000 à l'acheter. 150 000 personnes ont acheté un livre qui est en libre accès. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sans aucun accès aux médias, sans rien du tout. Enfin, alors que j'étais rien, enfin, il n'y avait aucune raison particulière de le faire. Et ce qui a commencé à me faire paniquer très rapidement, et j'ai commencé à le dire dans mes premières interventions après la publication en mars-avril 2019, mais je disais, vous êtes en train de refaire de moi un bourgeois. vous êtes en train de me redonner les moyens de m'abstraire de la société, ce que je n'allais pas faire pour le coup, et en fait, mais c'est pour ça que depuis, je continue, dès qu'on m'invite quelque part à venir, parce qu'en fait, enfin, je vous dois quelque chose, vous ne vous rendez pas compte, je vous dois en fait ce confort que vous m'avez offert, cette possibilité de subsister, ainsi de suite,
et que j'ai pris l'engagement de défendre les Gilets jaunes gratuitement, que j'ai fait depuis, parce que, en fait, vous voyez, c'est une façon de ressortir ce que vous m'avez donné et tous les réflexes que ça aurait pu créer à ce niveau-là. Et donc, avec cet argent, non seulement le temps de continuer à construire une pensée, voilà, pardon, non seulement le temps de défendre les Gilets jaunes, d'essayer de partager des outils, etc., mais aussi de continuer à construire une pensée. De continuer à construire une pensée et donc de continuer à peut-être pouvoir vous apporter quelque chose. Et c'est de là qu'est né Abattre l'ennemi. C'était, bon, disons, OK, on a fait le constat crépuscule. Comment est-ce qu'on réfléchit maintenant à passer la prochaine étape, non pas des moyens d'action. Comme vous avez vu, je vous ai donné quelques idées, mais je pense que c'est à chacun de s'approprier la façon de faire qui sera la plus utile, qui l'exposera le moins, qui trouvera le meilleur équilibre entre les risques qu'ils auront à prendre et l'efficacité du geste. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup plus quand on est sur le terrain où on veut agir que l'extérieur, mais surtout, en fait, comment est-ce qu'on pourrait par la suite, tout simplement, en fait, s'assurer que ce que l'on a créé ne soit pas subtilisé et volé par les personnes que l'on avait dégagées. Et donc, le problème, encore une fois, de ce texte, c'est qu'il est un peu compliqué, un peu lourd, il n'est pas d'accès évident. La partie finale, c'est des bullet points, comme on dit en anglais, enfin, juste des suites de propositions qui, elles, peut-être, sont plus saisissables, avec un plan de Paris, avec une proposition des nouvelles institutions, où est-ce qu'on mettrait Défenseur du Peuple, où est-ce qu'on mettrait le palais du référendum d'initiative citoyenne, où est-ce qu'on mettrait tous les médias qui pourraient être accessibles à n'importe quel des outils pour imprimer, pour créer des sites en ligne, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est des outils, et j'ai pris ce temps que vous m'avez offert pour essayer de prolonger tout simplement ce que vous m'aviez donné, non seulement en termes de temps, mais aussi en termes d'expérience, des rencontres que j'ai faites pendant toute cette période, parce que moi, j'ai passé tout ce temps-là, jusqu'au confinement, à traverser la France, à découvrir ce pays, à découvrir l'ampleur, la richesse, la diversité du pays, mais surtout à parler à n'importe quelle personne qui veut me voir, qui me racontait sa situation. Et ça, c'est un privilège. Mais un privilège, vous ne vous rendez pas compte à quel point il est précieux de pouvoir voir et sentir, non pas à travers des informations ou seulement les réseaux sociaux, etc., mais en rencontrant des gens, quel est l'état de cette société, et de pouvoir, du coup, à partir de là, essayer de trouver des solutions, ou en tout cas des propositions qui permettraient de l'améliorer. Donc voilà, je suis dans cette logique-là aujourd'hui, avec un coût très important pour tout le monde, et à commencer par mes proches, mais j'espère, et j'en suis convaincu, en fait, une forme d'utilité, en tout cas pour moi, un grand bonheur d'avoir cette chance-là et ce privilège, en l'occurrence, d'être à vos côtés. Ça vaut-il encore le coup de convaincre, signer comment? Je pense que ça vaut la peine de partager, ouais, toujours. Ça vaut la peine de parler, ouais, bien sûr que ça vaut la peine. Pas d'essayer agressivement d'expliquer à l'autre comment fonctionne le monde, mais je pense qu'il faut toujours commencer par l'écouter. Et en fait, il faut arriver, par exemple, aux personnes les plus agressives, par exemple, sur les questions vaccinales, sanitaires, etc. Je pense qu'il faut leur laisser un espace où ils dégurgitent, ils sortent, en fait, jusqu'à leur arriver à leur faire dire qu'en fait, ils ont peur. Et qu'en fait, la véritable raison derrière tout ça, c'est qu'ils ont peur. Et dès le moment qu'on est en capacité de leur faire dire qu'ils ont peur, vous êtes déjà là, vous avez créé un pont. Là, vous avez créé un pont parce que vous leur dites, mais moi aussi, j'ai peur. Évidemment, enfin, tu crois que je suis en train d'essayer d'imposer quelque chose, qui va faire violence, etc. Mais il faut, c'est par cette démarche-là, vous voyez. C'est d'abord, en fait, en recevant et en encaissant ce qui provient d'eux, avant, dans un second temps, d'essayer de vous réassocier à eux, de vous relier à eux et dire, mais on est dans la même situation, vous et moi. Voilà. Bonsoir. On voit à travers la crise Covid que le problème il est mondial. On scrute un peu tous les jours l'info internationale pour voir à quelle sauce on va être mangé le lendemain. On regarde aujourd'hui ce qui se passe en Autriche pour voir ce qu'on va nous appliquer en France dans une semaine, dans 15 jours. Donc on a parlé beaucoup de notre situation franco-française. Donc ma première question, c'est comment on fait tomber un gouvernement mondial? Pas sûr que ça soit en allant devant la préfecture ou devant le palais de justice, voilà. Et quelle est la place de la France dans cette crise et comment on peut... Est-ce que la France a encore cette capacité à éclairer les autres pays, en fait, au travers de cette crise et des mouvements qui se passent en France, voilà. Mon idée sur cette question, c'est que la perte de souveraineté française, elle vient de notre rapport à l'Europe. C'est en fait relocaliser les niveaux de décision, les rapprocher à nouveau pour le coup des préfectures, de Paris, et ainsi de suite, c'est déjà un énorme pas. Et il est à portée de main. Il suffit de faire un référendum sur cette question, de poser la question au peuple français, de laisser s'interroger, débattre, ainsi de suite, et vous retrouvez le contrôle sur votre politique monétaire, vous retrouvez votre contrôle sur votre politique douanière, vous retrouvez votre contrôle sur la question des frontières par rapport aux marchandises, ainsi de suite. Et à partir de là, les décisions que vous prenez vont avoir un impact beaucoup plus important qu'elles avaient jusqu'alors lorsqu'elles étaient divisées entre 27 États, et ainsi de suite. Donc vous retrouvez un rapport aux politiques beaucoup plus direct. Est-ce que ça règle tout? Pas du tout. Parce que par ailleurs, il y a toute la mondialisation, il y a le fait qu'aujourd'hui,
je ne sais pas combien de Français achètent sur Amazon et compagnie, enfin, que les GAFAM sont ceux qui contrôlent l'espace public. Donc les GAFAM, pardon, c'est Google, Facebook, justement Amazon, Apple, pardon, et Microsoft et Amazon, enfin, c'est les GAFAM. Tout ça, c'est des appareils de pouvoir étrangers. Donc en fait, ce qui fait que vous allez voir telle information plutôt que telle autre sur votre feed, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, c'est des ingénieurs en Californie qui décident sur instruction une fine politique. C'est-à-dire que quand Zuckerberg décide qu'il va réduire le niveau d'information politique qui circule sur Facebook, c'est parce qu'en fait, il s'est pris une pression monstre de la part de l'establishment américain depuis quelques années pour réduire l'influence de Facebook sur la démocratie française, sur la démocratie états-unienne, pardon, mais aussi par ricochet mondial. Or, au-delà de cette influence politique, qu'est-ce qui fait qu'un contenu va être plus ou moins partagé sur Facebook ou Twitter, enfin, va être plus ou moins visible, pardon, et du coup va avoir de plus ou moins de chances d'être partagé sur Facebook ou Twitter? Ça va être principalement la capacité de Facebook et Twitter à faire de l'argent grâce à ce contenu. Donc, leur capacité à vous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme pour ingurgiter un maximum de publicité, pour consommer un maximum de produits qui seront vendus par ceux qui font la publicité sur ces plateformes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut avoir une démocratie saine dans un système où votre information politique est déterminée par les intérêts commerciaux d'acteurs économiques étrangers? Évidemment que non. Et qui peuvent à tout moment, en changeant telle jauge ou telle autre, faire que les lives vont exploser. Et donc vous allez découvrir des gens comme Maxime Nicole, comme Mike Rimbaud, comme Eric Drouet à l'époque, ou au contraire, les faire disparaître du jour au lendemain, et vous retrouver qu'avec des contenus de propagande gouvernementale ou des mèmes sur l'énergie, et ainsi de suite. C'est absolument impossible de concevoir une capacité d'émancipation interne de la population française avec cette dépendance-là. Donc évidemment, la question européenne n'est pas suffisante, mais la question aussi de la souveraineté numérique, elle est relativement facile à résoudre. Ce n'est pas des plateformes particulièrement complexes. Facebook, Twitter, enfin Twitter, vous avez bien vu à quoi ça ressemble. Je veux dire, vous écrivez 160 caractères, maintenant 300 et quelques, vous cliquez, ça apparaît, et en face, il y en a d'autres qui font pareil, et ça finit par apparaître avec des algorithmes qui placent plus ou moins ça à la louche. Mais bon, enfin, je veux dire, le fondement technique est hyper simple. Et que ce soit... Et c'est là, en fait, on a beaucoup ironisé en tant que démocratie, de pays avancés, etc., sur la Chine, sur l'Iran, sur la Russie, qui ont, eux, restreint l'accès à leur espace numérique, qui ont imposé la création de l'équivalent de Google, Facebook, Amazon locaux, parce qu'ils savaient parfaitement que c'est un enjeu massif, la question de la souveraineté numérique, que la capacité à organiser des débats publics selon des critères qui sont nationaux et pas étrangers, slash commerciaux, parce qu'évidemment, on ne peut pas exclure la tentative de déstabilisation à n'importe quel moment provenant des États-Unis à travers ces instruments-là. On en a beaucoup ri parce qu'on s'est dit « Ouais, mais ça, ils font ça pour censurer, pour écraser la population, etc. C'est des régimes autoritaires, nous, heureusement qu'on est libre, etc. » Mais en fait, on n'était pas du tout libre. C'est juste qu'on est partie prenante d'un empire qui s'appelle l'empire états-unien, qui, en fait, tient une grande partie de nos élites, qui pillent, on l'a vu avec l'affaire Alstom, Technip et compagnie, enfin, le Alcatel, enfin, le nombre d'entreprises qui sont faites avaler par les États-Unis et qui, en fait, ont un contrôle direct ou indirect, sur notre organisation politique. J'adore raconter cette anecdote, mais donc, comme vous l'avez compris, je connais assez bien le milieu du Figaro aussi, donc j'ai croisé du monde là-bas à l'époque. C'est au 14 boulevard Haussmann, dans le 9e arrondissement, donc à côté d'Opéra, pour ceux qui connaissent Paris. C'est un gros bâtiment, déjà, qui appartient au Qatar. Donc ça, pour un journal de droite souverainiste, j'aime bien, et très obsédé par la question d'islam, c'est génial. Et en fait, tout le bâtiment au Figaro, sauf le 4e étage. Pourquoi? Parce que la CIA, les bureaux de la CIA sont 4 étages. Mais, enfin, j'adore, pas vraiment, indifférence, on est à tel niveau d'acceptation de cette domination politique, économique, et ainsi de suite, de cet état, qu'on accepte que 50 des 150 agents de la CIA, parce que les 100 autres sont sous couverture, on ne les contre pas, alors qu'il y a 4 agents de la DGSI chargés de les surveiller, imaginez l'efficacité, soient installés au milieu de l'immeuble de la rédaction du plus important journal de ce pays. Vous voyez, il y a un truc qui est où, et ça pose problème à personne. Pourquoi? Parce que la CIA était là avant que le Figaro emménage, ça n'a aucun moment dit que ça pouvait, c'était un peu gênant, et que potentiellement il pouvait y avoir des influences, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas accéder au 4e étage, quand vous appuyez sur le bouton, ça ne marche pas. Il y a des agents américains en bas qui surveillent toutes ces venues, mais. Et quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Vous voyez, quand on a rajouté l'anecdote, je me suis dit, c'est complotisme, etc.
Et en fait, si vous, vous cherchez sur Internet l'adresse avec le coup tapé CIR, il y a eu deux articles de presse à deux moments différents qui permettent de recouper, de voir quoi c'est la réalité. Donc en fait, la question de l'autonomie stratégique de la France et de sa capacité à s'émanciper de la tutelle états-unienne, elle est déterminante. Est-ce que la question est celle du nouvel ordre mondial, de Bilderberg, Soros et compagnie, c'est très secondaire par rapport à ça. Parce qu'en fait, ces réseaux n'ont pouvoir que parce qu'on leur laisse, parce qu'on a accepté de s'insérer dans un système qui a été créé en dehors de nos frontières aux États-Unis et qui en fait place les pions pour influencer le capital. Mais que ce soit eux ou un autre, que ce soit le forum de Davos, Bilderberg, qu'ils inventent un nouveau truc à droite à gauche, en fait, l'idée, c'est le système. C'est qu'on a un système d'intégration économique complète au système économique et politique américain. On accepte d'y participer et de s'y livrer sans aucune difficulté. Et donc, à partir de là, évidemment, bah, on finit par, les gens finissent entre eux par se rencontrer et par prendre des décisions communes. Et Zuckerberg peut passer un coup de fil à Emmanuel Macron pour lui demander une faveur. En retour, Macron va dire « fais gaffe sur tel ou tel point » ou Xavier Niel faire détourner des grands trucs avec Elon Musk. Et, mais voyez, tout ça, en fait, que ce se passe à tel ou tel endroit, c'est pas ce qui est, pour moi, en tout cas, particulièrement intéressant. Le véritable pouvoir, on sait à peu près où il est assez accessible, et surtout, on sait, nous, face à ce véritable pouvoir, comment s'en émanciper dès lors que l'on aurait une prise sur les manettes politiques intérieures et de l'État, un État qui est quand même extrêmement puissant, qui est quand même encore celui de la 6e puissance mondiale, et comment se débarrasser ensuite de toutes ces influences néfastes qui essayent de nous miner. On n'est pas la Hongrie, vous voyez, on n'est pas le Maroc, on n'est pas le Vietnam, la France a un poids économique extrêmement important encore, et c'est un des rares pays qui a encore la possibilité de provoquer une bascule à l'échelle mondiale en montrant la voie, en montrant sa capacité à s'extraire de toutes ces influences. Et donc je pense que c'est très très important qu'on en ait conscience pour ne pas tomber dans un discours désespéré ou voire fantasmatique. Parce que dès le moment qu'on vous dit qu'ils sont très loin, en fait, vous imaginez, qui est-ce que ça sert ce genre de discours? Ceux qui sont à portée de main. Vous dites non, mais regardez ailleurs. Et entre-temps, c'est eux qui continuent à cumuler des fortunes, c'est eux qui continuent à vous exploiter, c'est eux qui continuent à vous faire du mal. Et ils sont d'autant plus protégés que vous, au lieu de vous dire « mais c'est là qu'il faut taper », en tout cas, il faut taper quelque part, et je vais le faire là où je peux, et a priori, ça devrait avoir une certaine efficacité, vous dites « non, mais en fait, ils sont trop loin, trop puissants, trop organisés, je laisse tomber ». Ayez toujours en tête que lorsqu'on vous présente un ennemi lointain, il y a une forme de création d'impuissance contre vous, et donc il y a potentiellement, c'est un discours qui cherche potentiellement à vous instrumentaliser, ou en tout cas à vous dépolitiser et à créer un sentiment d'impuissance en vous, qui s'accompagnera d'un sentiment de satisfaction, parce que vous aurez l'impression d'avoir compris. Et du coup, qui en fait fera que vous resterez chez vous à regarder la télé, ou enfin, vous voyez, enfin, qui va vous calmer, et sans vous donner des outils pour vous protéger. Oui, je voulais vous poser... Non, je voulais faire juste un petit constat par rapport à ce que... Une petite analyse par rapport à ce que j'ai entendu. Bon, après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est mon ressenti. En fait, j'ai l'impression que la pire des violences que vous avez évoquées, en fait, c'est justement, je le répète et je le redirai, je pense qu'il y a une sorte de déshumanisation, que ce soit chez nous ou chez les autres, en fait. Et ça, c'est un peu rigolo, parce que eux, c'est une autre forme de déshumanisation, et nous, c'en est une autre. En fait, tout à l'heure, on disait que certaines personnes disaient que on était formaté à réussir soi et que bah, les autres n'existent plus, quoi, en fait. Et je pense que, alors, est-ce que c'est voulu en haut? J'en sais rien, mais souvent dans le constat assez négatif, parce qu'il y a aussi du positif, mais il y a un mot qui ressort, c'est déshumanisation. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a... Il y a un cynisme extrêmement important, mais qui est le fruit de leur parcours. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là n'inventent rien, ils ne sont pas des êtres tout-puissants, hyper-calculateurs, etc. C'est des gens, en fait, qui sont pris dans des dynamiques qui leur échappent et qui leur amènent à se comporter de façon violente sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience, ou parfois ils en ont, ils en jouissent, donc il y a une part de cynisme importante. Et parfois, voire souvent, en fait, ils sont juste méprisants naturellement, violents naturellement, parce qu'en fait, ça leur a été impliqué. Lorsque vous avez, je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo où Macron parle des gens qui ne sont pas, mais il faut la voir. Parce que, en fait, vous voyez qu'à aucun moment, ils se rendent compte de ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est vraiment sa vision des choses. En fait, c'est presque un lapsus. Ça lui échappe presque. Et il y a quelque chose qui est complètement incorporé en lui, du coup.
voyez, qu'il n'y ait pas de l'ordre de « je vais faire sentir aux gens qui sont rien » ou « non, non, en fait, ils ne sont rien, point, il n'y a même pas de question, il n'y a pas de conscientisation à avoir, et je ne me rends même pas compte que de la violence de ce que je suis en train de dire et à quel point ce que je dis, justement, est déshumanisant. » Vous voyez, il y a un mélange à la fois de cynisme, de violence et de jouissance du pouvoir, et ainsi de suite, qui est très présent, et à un moment donné, en fait, une intégration de ce rapport au monde qui va finir par devenir naturel, ne même pas être conscientisé. Gabriel Attal, pour vous donner un exemple, parce que du coup, moi, je les ai connus enfants, enfin, c'est ça qui est bien, de l'âge de 11 ans. Gabriel, c'est quelqu'un qui, à 15-16 ans, faisait des blagues sur les sans domicile fixe. C'est-à-dire qu'il adorait rire et faire rire du fait qu'il puait, que ça le dégoûtait, qu'il n'avait pas envie d'être proche d'eux, etc. C'est à des âges où vous êtes encore théoriquement très naïf au monde. Vous voyez, vous êtes déjà dans un rapport de... Et donc, en fait, Gabriel était l'exception dans le milieu dans lequel je vivais. C'est-à-dire que tous les autres avaient une forme de décence qui consistait à se tenir loin de ces gens-là, ne pas les considérer, avoir peur d'eux, mais ne pas s'autoriser une forme de violence explicite. Gabriel est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il était l'exception. Et parce qu'il avait la capacité à transgresser ces sortes de normes morales et du coup à créer une forme de jouissance qu'il faisait reconnaître par d'autres personnes qui étaient similaires à lui, et à monter très vite politiquement parlant. Mais la règle générale chez les dominants, ça reste avant tout la peur, la rétention, et quelque part presque une forme de timidité. Vous voyez, une forme de dire, moi, je ne connais pas, ça me fait, je ne sais pas trop comment gérer, etc. Et donc il y a quelques psychopathes, c'est très clair, on en connaît quelques-uns. Est-ce que ce sont les plus dangereux? Je ne suis pas sûr. Je pense que les effets de système qui vont faire qu'en fait, vous allez passer 20 ans devant la même personne qui est assise en bas de chez vous, sans jamais lui avoir adressé la parole une seule fois, sans jamais l'avoir considéré comme un être humain, c'est en fait beaucoup plus dangereux que le pervers qui va en fait commencer à rire de lui et ainsi de suite, qu'on identifie très vite et qu'on sait désactiver, parce qu'en fait, quelque part, personne n'a envie de ressembler à ce genre de personne et personne n'a envie en fait d'une société dans laquelle on se comporterait de cette façon. Après, on peut aussi considérer que les deux sont aussi dangereux, voire l'inverse, ça c'est pas un sujet. Mais en tout cas, je voulais vous donner cette idée qu'il y a moins de cynisme qu'on pourrait le penser, c'est plutôt l'exception que la règle. Il y a en plus, et ça c'est presque pire, de bonnes personnes au milieu de tout ça, c'est-à-dire des personnes qui en fait soit se rendent compte, mais pour des raisons X ou Y, le plus souvent de la lâcheté, acceptent d'y participer et de s'en tenir et finissent en fait par s'autodétruire à force de rester au contact de ces gens-là. Et il y a une grande masse de personnes qui juste est dans une sorte de petit monde complètement fermé et qui se désintéresse complètement de l'en positif ou en négatif de ce qui pourrait produire. Et puis c'est aussi, à un moment donné, à travers le mouvement des Gilets jaunes, cette révolte, de dire reconsidérez-moi, en fait. Et bien sûr. Et même le gilet, enfin, j'existe. Enfin, c'est même pas regardez-moi, mais en tout cas, quand vous passez à travers moi, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est là, quoi, et qu'il y a un corps qui continue à. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu les conditions matérielles, très bien, mais il y a eu aussi la façon dont était considérée cette partie du peuple de France par les personnes qui étaient censées les représenter. Comment vous pouvez croire en une république où les personnes, la chose publique, la république c'est la res publica, c'est la chose publique, où les personnes que vous choisissez vous crachent au visage dès lors que vous leur avez donné un minimum de pouvoir théoriquement pour les protéger. Enfin, il y a quelque chose qui ne pouvait qu'exploser. Et c'est là où ça me fait un peu peur. C'est que dès le moment qu'ils ont sorti le carnet de chèques de façon massive et qu'ils vont se débrouiller pour vous le faire payer, mais de façon à ce que ça n'arrive pas avant les élections présidentielles, et donc que vous soyez dans un moment de relatif flottement et de bonheur pendant quelques mois, parce que pour une partie de la population française, c'était aussi une période de relâchement de la pression qu'elles connaissaient, paradoxalement, parce qu'elles ont pu découvrir d'autres formes d'existence. Je parle de toutes celles qui étaient protégées, qui avaient droit aux aides, que ce soit le chômage partiel, ainsi de suite, et qui n'avaient pas trop de contraintes financières immédiates. Il y a une partie de la population française qui a été un peu soulagée pendant au moins une période de cette crise sanitaire. Donc entre ça et leur intelligence minimale qui consiste à ne pas dire trop de bêtises dans le cadre électoral, pour après laisser surgir leur surmoi, donc d'une part, enfin, un argument de plus pour ne pas rentrer dans le piège, et d'autre part, l'inquiétude qu'à terme ça fasse oublier aux gens la façon dont ils sont considérés, l'humiliation qu'ils ont subie, et l'importance de lutter pour un changement structurel de ce pays pour éviter en fait que ces faits-là se reproduisent, que ce soit de façon insidieuse. Quelque part, on a une chance d'avoir quelqu'un comme Macron parce qu'en fait, il a rendu visible cette violence que jusqu'alors, ils avaient appris à cacher.
Donc sa bêtise, son mépris pour l'autre, et ainsi de suite, sont quelque part des outils dont on doit se saisir pour se détacher d'eux définitivement, et pour, comme je vous le disais, ne plus les laisser nous toucher, en revenir à cette question-là. Sarkozy, elle est commencée. Oui, mais Sarkozy jouait d'un rapport d'empathie assez étrange, vous voyez, sur cette forme de faux franc-parler. Vous voyez, il y avait quelque chose par lequel il essayait de rattraper, en fait, mais c'est vrai que le casse-toi profond avait des signes déterminants dans le quinquennat, au-delà de... Enfin, ça disait quelque chose qui... Et évidemment, le yacht avec Lagardère au lendemain de 2007, il y avait des petits points, mais qui en fait sont devenus systémiques avec Macron de façon très claire. En fait. Et Gabriel a l'intelligence de masquer son discours, il sait se faire passer pour quelqu'un de très gentil, etc. Mais je peux vous assurer, pour le connaître intimement, que c'est de la pure violence, que ces gens ont de la pure violence et de la volonté d'abattre quiconque en fait essaierait de les confronter face à leur limite et surtout essaierait de les confronter à une forme de rapport à l'autre de la terre. Des gens qui les sortiraient de la sphère dans lesquelles ils sont prêts à tout pour les détruire. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pour l'avoir vécu, pour les avoir vus se construire. Vous imaginez, j'étais en cours avec lui, en l'occurrence, entre les 11 et 23 ans. C'est long. Ça se ressent. Ça se ressent, mais pas toujours. Et en fait, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est pas parce qu'il commet assez peu d'erreurs. Parce qu'en fait, il y a un contrôle très important qui vous permet en fait de tenir une apparence qui font que dès le moment que vous n'êtes pas immédiatement en désaccord sur le fond parce que vous n'êtes pas très politisé ou parce que pour une raison ou une autre, vous n'allez pas forcément le percevoir. Vous voyez, il va y avoir une capacité à créer du masque, mais après en fait c'est comme pour la petite phrase de Macron et ainsi de suite. C'est toujours par les bords qu'on finit par saisir la véritable personnalité des personnes que l'on a en face et qui nous sont présentées en fait comme des figures complètement construites, des personnages, et pas leur eux réel. Mais c'est vrai, pardon, sur la violence, en fait, je pense que vous avez quand même partiellement raison, et parce que c'est important. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de personnes qui aiment ce qu'il fait sont des personnes qui, en fait, aiment cette violence. C'est des personnes qui appartiennent à une forme de classe moyenne supérieure, qui, en fait, se reconnaissent dans la nécessité d'avoir ce rapport de violence à l'autre, et qui, en fait, adhèrent à son discours. Et ce bleu bourgeois, vous l'aurez toujours contre vous. C'est 25% qui ont voté aux européennes pour Macron, qui continueront à voter quoi qu'il arrive pour, etc. Ça, c'est un bloc irréductible qui croit en la violence comme mode de gestion politique, qui croit en la nécessité de vous écraser et de vous tenir sous les fagots. Et ça, en fait, ça, c'est des irréductibles sur lesquels vous n'aurez jamais prise et qui se mobiliseront systématiquement électoralement parce qu'ils savent que c'est leur meilleur arme. Parce qu'ils savent que l'élection est faite pour favoriser leurs intérêts et leur permettre, in fine, de placer les personnes qui les favoriseront. Voilà peut-être un enjeu qui nous est incombé peut-être de répondre comme ça, c'est-à-dire avec une réhumanisation, au lieu de montrer de la violence, parce que peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, allons dans ce sens de réhumanisation et justement de faire attention à l'autre comme votre expérience. Parce que vous avez dit que vous avez eu la chance de vivre, de côtoyer des gens que vous ne côtoyez pas et que vous pouvez soulever par rapport à... Tout l'enjeu du système, ça a été d'éviter pendant toute cette période que les Français se rendent sur le rond-point et qu'ils voient ce qu'était véritablement les Gilets. Tout l'enjeu du système pendant toute cette période, c'était de s'assurer que les Français restent derrière leur télévision. Et en fait, parce que dès le moment qu'ils se rendaient dans les manifestations sur le rond-point, ainsi de suite, ils auraient découvert une réalité tellement différente de ce qui leur avait été jusqu'alors présenté, que d'une part, probablement, ils l'auraient aimé, et d'autre part, ils auraient été dans un processus de déracinement massif à l'égard de ces dispositifs de fabrication de la fiction et de la croyance, que sont les informations à la télévision, dans les médias, ainsi de suite. Et donc, en fait, la création de stigmates, la position de stigmates sur le mouvement gilet jaune, pour faire peur en disant « ils sont ci, ils sont ça, en fait, ils ont tort, ils sont des menteurs, et là, ça avait pour seule vocation de créer cette distance qui fasse que, justement, ce processus de réhumanisation donc, que vous décrivez n'intervienne pas. Et donc, par rapport à ça, là, c'est vrai qu'on est très désarmé. C'est vrai qu'on est très désarmé parce qu'en fait, on a des moyens massifs mobilisés contre nous, auxquels on peut opposer notre maîtrise des réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais en fait, c'est très limité. C'est très limité et ils ont un temps d'avance et de récupération aussi, systématique en fait, de toute énergie qui pourrait aller à leur encontre, qui nous met dans une position de fragilité très importante. Pourtant, les jeunes... Il y a une dame qui veut répondre une question, s'il vous plaît. Marc, on va passer à la dernière question. Je t'ai posé la dernière question. Juste, du coup, je précise que...
Non, mais je précise que derrière, il y a la vente d'ouvrages de Juan. Pardon. Et vous pourrez continuer la conversation. Ils sont aussi tous en libre accès sur Internet, y compris le dernier. Non, mais c'est important de le dire pour ceux qui n'ont pas les moyens. Hein, on a fait cet effort, toujours en accord avec les éditeurs, c'est une condition à chaque fois de dire que voilà, le texte sera accessible. Et ce sera l'occasion du coup de poursuivre la conversation, oui, certaines réflexions, voilà, de manière plus personnelle, plus individuelle. Donc, il faut prendre la dernière question. La dernière question. Merci. Donc, juste pour compléter ce que vous disiez là, moi, je pense que notre force aussi, c'est l'énergie du cœur que eux n'ont pas. Ça, c'est notre force. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je pense. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit actuellement, c'est-à-dire le grand reset et puis la faillite du système bancaire avec la disparition de l'argent liquide, etc., dont on parle. Voilà, là, il y a une conférence entière à faire. Mais... C'est pas très gentil comme question. Excusez-moi. Là, ouais, non, mais là, il y a une question fondamentale, en effet, de transformation du modèle économique, de choix à tous les niveaux, la politique monétaire, la question de l'inflation. En fait, ça va devenir la grande question des prochains mois. Et la question de l'inflation, elle est cardinale parce qu'en fait, elle produit des effets très contradictoires. L'inflation va permettre d'éroder les patrimoines et donc de recréer une forme d'équilibre au sein de la société. Alors, par exemple, en fait, la bulle immobilière va peu à peu se dégonfler si l'inflation se maintient. Donc, du coup, ça va être plus facile à nouveau de se loger dans les grandes villes comme Paris, etc. Si c'est une forme d'inflation. Mais par contre, il y a une autre forme d'inflation qui consiste tout simplement à accroître les coûts de la vie quotidienne des Français, des coûts d'énergie, ainsi de suite, qui, elle, en fait, peut être purement destructrice. Et donc, enfin, là-dessus, en fait, il faudrait qu'on rentre très en détail sur, en fait, comment ça va être orienté d'une façon ou d'une autre, et comment il faudrait justement se saisir de ces questions pour éviter qu'il y ait des catastrophes sociales qui interviennent dans les prochains mois, en sachant parfaitement qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils sont en train de faire n'importe quoi, qu'ils ont certes déversé 100 milliards d'euros, mais d'une part, très principalement sur ceux qui avaient déjà quelque chose, ça c'est quand même important, et d'autre part, sans aucun moment orienter l'investissement de façon à nous préparer à l'après. Vous voyez, de profiter, enfin, on avait une opportunité historique pour reconstruire ce pays, pour le rendre plus beau. Pas pour moi, dans une situation comme celle-là, j'aurais bien aimé, vous avez trouvé ça un peu radical, mais raser toutes les ZAC et reconstruire et donner des aides massives aux commerçants et ainsi de suite pour qu'ils puissent réinvestir dans son pays. Enfin, il y avait mille façons de réinventer le pays, quoi, vous voyez, pour permettre en fait à nouveau de recréer du lien social, pour permettre de retrouver un équilibre économique aux personnes qui ont des activités en tant qu'artisans et ainsi de suite, et changer la société. Je vais vous donner un petit exemple, on pourrait parler de mille choses sur l'énergie renouvelable, le nucléaire, etc. La question des monnaies électroniques qui arrivent à très grande vitesse, les manipulations qui vont en être, ce que ça dit en fait de ce qu'est une monnaie, enfin bon, tout ça, malheureusement, si je commençais maintenant, on n'en finirait jamais. En tout cas, on en finirait demain. Et je suis pas sûr que j'ai envie de vous infliger ça, un cours de théorie économique à l'instant T. Mais c'est des questions sur lesquelles je pense que j'ai dû faire des conférences spécifiques parce qu'en fait, c'est de venir de notre. C'est notre capacité à changer notre quotidien, à changer notre rapport à l'autre. La réhumanisation, ça passe aussi par ça, par l'urbain, par la façon de vivre dans un espace de vie, par la façon d'avoir à proximité des personnes, de pouvoir avoir un rapport au monde similaire au vôtre. Pour pouvoir vous accompagner, que vous allez rencontrer, ainsi de suite. Enfin, donc c'est des questions qui, en plus, sont très faciles à assimiler et à comprendre, contrairement au discours qu'on essaie de tenir sur le fait qu'il faut avoir un Bac+5 à HEC pour discuter. C'est vraiment des questions fondamentalement politiques et qui obéissent à des règles très très simples à absorber. Voilà, je suis désolé de finir un peu sur cet entre-deux, c'est-à-dire en vous donnant quelques idées, mais sans répondre vraiment, mais c'est juste que c'est très complexe et je ne voudrais pas vous donner l'impression de mal maîtriser. Surtout quand il est déjà demain. C'est-à-dire. Mais. Non, mais parce que comme la question a déjà été posée à quelqu'un d'autre, ça peut être important d'y répondre. Oui, mais c'est pour ça que j'aimerais. En fait, parce qu'il y a beaucoup. Enfin, de. Parce que c'est très bien aussi à la pratique. Tu vois, voilà. Les gens qui sont au sommet. Oui, mais ça revient. Alors, ça, on va peut-être finir là-dessus. La question de la crise écologique, énergétique, et en fait comment, parce que ça répond en fait à cette question de la préservation des intérêts des personnes qui sont au plus haut de la société. En fait, j'ai déjà commencé à vous répondre en parlant de la taxe carbone. La taxe carbone, quel est l'enjeu au-delà du financement du CICE? On est face à une crise, ils appellent ça le changement climatique. La réalité, c'est que c'est avant tout une crise énergétique. C'est-à-dire la possibilité pour nous de nous déplacer, de consommer comme on l'a fait jusqu'ici. Et le fait qu'en fait, il y a des ressources qui,
qui, soit parce qu'elle commence à manquer, soit parce qu'elle produit des effets tellement violents sur le reste de la nature qu'elle devient inutilisable. Donc soit inexploitables parce qu'elles sont de plus en plus difficiles à aller chercher, soit inutilisables parce qu'elles produisent des effets catastrophiques, qui font qu'on est obligé de changer de modèle productif. Donc ceux qui ont gagné de l'argent sur ce modèle productif sur les dernières années, qui ont accumulé des fortunes complètement délirantes, ils n'ont pas envie d'y contribuer. C'est aussi simple que ça. En fait, ils n'ont pas envie de renoncer à leur privilège et à la position de pouvoir que leur a offert l'exploitation du pétrole, du gaz pendant des décennies, alors qu'ils savent depuis au moins 50 ans, depuis les années 70, que ça va amener inévitablement à la situation, à la crise actuelle, en termes de réchauffement climatique, et ainsi de suite. Et donc, ça fait 50 ans qu'ils font leur possible pour retarder le débat et pour continuer à exploiter au maximum les ressources, de façon où, au moment où on se retrouve face au dos au mur, ce soit aux populations d'en supporter les coûts, parce qu'ils seront trop puissants et auront trop le contrôle, en fait, des différentes planètes pour être remis en question. Et donc, la taxe carbone, c'est typiquement dire on va faire peser sur les citoyens le coût de ce changement de modèle économique. C'est-à-dire, on va prélever de l'argent qui va amener à changer les citoyens à changer de comportement, parce qu'ils vont être obligés d'acheter d'autres formes de voitures en ce moment, et ainsi de suite. Donc ça va leur permettre, ça va nous permettre d'avoir un afflux d'argent supplémentaire, non seulement par la taxe en elle-même, mais par le fait qu'ils vont réacheter des produits à nous, enfin, qu'on fabrique, qui vont nous rapporter de l'argent. Donc ça va encore renforcer notre position économique. Et grâce à cet effort de la part de la population, en fait, on va pouvoir financer à travers le résultat des taxes in fine, bah, un investissement dans les énergies renouvelables, blablabla, pour que tout change sans que rien ne change. D'accord ? Et donc, petit problème dans cette situation-là, c'est que bah, les niveaux de la capacité à se faire taxer et imposer de la part des populations bah, trouvent très rapidement sa limite. D'autant plus que par ailleurs, il y a toute une série de mécaniques qui font qu'un certain nombre de choses coûtent de plus en plus cher et que du coup, il est difficile de maintenir son niveau de vie, ainsi de suite. Or, leur modèle ne peut pas être transformé. Par ailleurs, leur modèle ne peut pas être transformé. Parce que leur modèle dépend sur leur capacité à vous fasciner et à vous inciter du coup à consommer d'une certaine façon. Ils ont créé très laborieusement un fantasme à travers le cinéma, à travers la publicité, à travers la série, etc., d'un mode de consommation et de rapport au monde qui passe par la question économique, par le rapport à la marchandise, par la production de biens, qui font en fait que l'on va par exemple comparer les pays de crise. Je pense qu'un jour, rétrospectivement, on va regarder cette période comme une période de fous pour une seule raison. Quand on vous disait à l'école comment est-ce qu'il fallait classer les pays, on vous disait que c'était à travers le PIB. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur d'une société dépendait de la quantité de choses qu'elle était capable de produire, point. Quelle que soit la nature de ces choses-là, en fait, votre valeur et la façon dont on allait vous regarder en termes de désir et ainsi de suite dépendait de votre capacité à fabriquer des choses même atroces, même le fruit de catastrophe, parce que vous savez très bien qu'un accident de voiture, ça, c'est très favorable au PIB. Parce que la personne qui a un accident de voiture, elle va devoir être soignée, donc ça va donner du travail au médecin et ainsi de suite. La voiture, elle va être remplacée par l'assurance qui va du coup permettre la fabrication de nouvelles voitures. Bah, la chaussée, elle va devoir être faite. Et donc, en fait, plus vous avez d'accidents, plus vous allez créer du PIB. Enfin, c'est un truc. Et donc, ça, c'est devenu notre jauge de jugement sur ce qu'est la valeur d'une société. Donc, on a créé un modèle à tous les niveaux. Donc là, je parle du petit exemple du classement par PIB. Mais ça va évidemment jusqu'à la façon d'être en rapport à l'autre, c'est-à-dire le succès économique comme étant un facteur de reconnaissance sociale et donc d'admiration et donc de capacité à aimer et être aimé, ou en tout cas l'apparence d'aimer et d'être aimé, parce qu'encore une fois, in fine, on se retrouve avec un tel niveau de domination de la production et du bien que même quand vous êtes, enfin surtout quand vous êtes très riche, vous allez finir par aller voir des prostituées qui vont vendre leur corps et en fait vont vous demander de l'argent pour vous apporter un peu de chaleur. Alors, vous voyez, enfin, ça finit par devenir tellement structurant que même votre rapport à l'autre devient déterminé par l'argent. Et donc, dans une situation comme celle-ci, vous voyez bien qu'il y a une incompatibilité manifeste qui va bien au-delà de la question d'investir dans le nucléaire ou dans des énergies renouvelables comme les éoliennes et ainsi de suite. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on va contraindre les gens à changer et leur imposer un nouveau modèle de société qui sera probablement tout aussi délétère que l'autre parce que le seul but de ce nouveau modèle sera de préserver les structures économiques dominantes et que ceux qui étaient protégés continuent de dominer. Et donc toute la stratégie actuelle de ces personnes-là, c'est de s'assurer que ils vont se séparer de la société de façon à ce que vous souffriez des conséquences de toutes ces transformations, que vous payez en plus pour essayer de les réparer, donc la double sanction, pendant qu'eux pourront se balader des Bahamas ou Maldives jusqu'à ce que sinon, des fois que les Maldives seront inondées, bah, à tel autre pays, et continuer à survivre en complète indifférence à vous, encore une fois, de la même façon que dans la crise sanitaire, comme je vous l'ai dit,
Je vous conseille de regarder les Instagram d'un certain nombre de fils et filles d'oligarques. C'est très utile parce que, comme ils sont jeunes, en fait, ils ne se rendent pas du tout compte du niveau d'indécence dans lequel ils vivent, parce qu'ils ont toujours envie dedans, et donc ils ont des profils publics, dans lesquels ils mettent des stories, etc., et qui vous permettent de voir le type de vie qu'ils mènent. Et pendant le confinement, c'était magnifique. Enfin, ce que je disais ce matin à Montpellier, ils allaient des Maldives, aux Bahamas, en jet privé, il n'y avait pas de confinement pour eux. Enfin, vous voyez, ils étaient sans masque, rien. Enfin, il n'y avait aucune contrainte d'une quelconque forme qui s'appliquait sur eux, et ils ont très bien vécu, très heureux, pendant que tout le monde était enfermé chez soi, pendant cette période-là, avec le risque de l'amende s'ils bougeaient de plus de 1 km au-delà de leur maison. Les aéroports privés du Bourget et compagnie n'étaient quasiment pas contrôlés. Il y a eu un contrôle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est drôle, à l'aéroport de Nice, où en fait, il y a eu un milliardaire qui a débarqué avec, pareil, avec, c'est toujours les mecs, c'est drôle, hein, ce rapport quand même à la consommation des corps, avec 10 prostituées, et il a prétendu que c'est pour le travail. Donc il était seul avec 10 femmes, très belles, probablement très. Et là, les douaniers ont bugué. Et là, les douaniers ont passé un appel pour demander des instructions pour savoir si vraiment, qu'est-ce qu'ils devaient faire, etc. Et ils ont renvoyé chez eux. Mais à côté de ça, c'était l'orgie. Enfin, je veux dire, le roi, ce qui était le plus extraordinaire peut-être dans cette période, c'était le roi de Thaïlande. Vous avez vu ça ou pas? Qui a loué un hôtel entier à Munich et qui, pareil, est venu avec 200 femmes et son Boeing. Et en fait, s'amusait à faire des tours en Boeing avec elle, parce qu'il adore piloter des avions, pendant que son pays était confiné. Alors, vous voyez, en fait, il a passé en fait, pendant un mois comme ça, un moment de luxure absolu dans un hôtel près de Munich. On était tous d'accord, il n'y avait aucune difficulté par rapport à ça. Imaginez, on est humilié. Imaginez le niveau d'humiliation que ont subi les Thaïlandais pendant cette période. Enfin, je veux dire, on est en... Évidemment, enfin, je vous dis ça, mais Macron, alors ça, je le sais, pareil, d'amis qu'ils connaissent, pourquoi est-ce qu'il était si bronzé? Il passait ses week-ends à la Lanterne. La Lanterne, c'est en fait un truc à coller à Versailles. Enfin, ses journées, alors, pas seulement les week-ends, pour le coup. C'est une résidence réservée au président, parmi les très nombreuses résidences qu'il a, qui est accolée au château de Versailles. Déjà, la symbolique est jolie. Où il y a piscine, tennis et compagnie. Il passait ses journées à jouer au tennis, en fait. Et du coup, vous vous souvenez de cette allocution, je ne sais plus quand c'était, courant 2020, où il y avait des couches de maquillage, mais vraiment grosses comme ça, qu'on voyait, avec des mains qui se cachaient, etc., pour essayer d'atténuer ce bronzage. Alors qu'on était tous enfermés dans nos X mètres carrés, même quand vous sortiez en forêt, on risquait de vous mettre une amende. Évidemment que du coup, leur rapport au monde est affecté par cette déconnexion complète. Évidemment, lorsqu'ils prennent des décisions d'une violence hallucinante à l'encontre des populations qui n'ont pas respecté ou qui respectent dans leurs immenses hôtels particuliers ou dans un propriétaire secondaire dans je ne sais quel pays exotique, évidemment qu'à un moment donné, l'indifférence à l'autre s'installe. Parce que si vous n'avez pas vécu ce que ça a été, la violence, de passer dans une ville, dans un appartement de 20-30 mètres carrés, 2 mois enfermé, dans un habitat potentiellement insalubre, avec des difficultés financières, avec un isolement social, et ainsi de suite, avec la rupture des liens avec les personnes que vous aimiez, et avec la peur de ce qui était en train d'arriver, etc. Comment vous voulez ne pas vous comporter comme le fait Macron, du coup, le 10 juillet 2021, avec cette désinvolture et ce naturel oppressif, et cette façon en fait de vous insulter, de vous cracher au visage, ça vient de là. Ça vient de là, ça vient du fait qu'on en a fait des petits marquis complètement protégés, qui vivent sur nos deniers, en fait, dans ces conditions. Et alors, quand il y a eu la polémique sur les dîners clandestins, quelque part, là aussi, il y a une forme... On se trompe presque sur les dîners clandestins. Parce qu'en fait, c'est la queue de la comète. Qu'ils aient violé le droit qu'ils aient eu l'idée transgressive d'aller avec Chalençon dans un joli restaurant près de la Bourse, vous vous rendez pas compte que c'était la normalité. Parce qu'en fait, ils avaient les gens qui continuaient à les servir dans les résidences ministérielles et au quotidien, en fait, et continuaient à recevoir. Donc qu'il y en ait eu 2-3 qui aient fait l'erreur d'aller en plus dans un endroit privé et ainsi de suite. Et ils ont eu de la chance que leur nom finisse par ne pas sortir, parce que je pense que là, pour le coup, il y avait un risque qu'il y ait quelqu'un le défendre un trop bouché, enfin, qu'il y a vraiment un mouvement populaire d'enragement. Mais comment ça se fait qu'on soit sensible à cette transgression, mais pas, en fait, à la systématicité
de leur indécence. Vous voyez comment ça se fait qu'à un moment donné, on se fixe sur cette petite chose, alors qu'on a accepté et qu'on continue d'accepter tout le reste. Ça, c'est une question qu'on devrait se poser par rapport à notre degré de soumission, en fait, au rythme qui est fixe. Vous voyez, et à leur capacité à canaliser l'indignation, quitte à la faire exploser de temps en temps, exactement comme avec l'histoire des homards de Domigy. Moi, j'étais... j'ai défendu, vous savez, un gilet jaune qui s'est baigné avec un homard inflable devant Fort de Brégançon, qui a eu droit à une plainte de Brigitte Macron à cause de ça. Génial. Donc, enfin, je veux dire, je comprends bien l'utilité de mobiliser ce symbole. Enfin, je vois bien, mais il y a, on a fait sauter un des principaux personnages de l'État parce qu'il s'était fait un dîner au homard avec sa consoeur, et qu'à un moment donné, avec sa femme, pardon, et qu'à un moment donné, un média a décidé de se le faire. Mais il y a combien de homards qui sont consommés chaque semaine à l'Élysée ? Vous voyez en fait à quel point c'est piégeux ? C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un effet, de produire un effet sur le système parce qu'on a réussi à obtenir la tête d'un autre, parce que Mediapart a décidé de, en fait, tout simplement de créer des excitations au sein de la population pour accroître leurs ventes et pour améliorer leur système économique. Mais dans les faits, vous êtes en train de vous laisser complètement avoir. Et en fait, vous êtes juste en train de participer à un règlement de compte entre ce ministre-là, en l'occurrence François de Rugy, et l'autre, qui à un moment donné a décidé de faire fuiter l'information à un journal parce qu'il voulait dégommer probablement pour prendre sa place. Qu'est-ce que vous changez structurellement en le sortant ? Rien du tout. Rien du tout. En fait, vous participez à cette société du spectacle. Vous devenez en fait des consommateurs. Et c'est là où, pour moi, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de beaucoup plus radical qu'on doit commencer à engager. Parce que là, aux élections 2022, on va nous refaire le coup de 2017. Avec les costumes de Fillon. Et ça, au moment parfait, on va vous sortir l'information qui va permettre de faire basculer le sort de l'élection en faisant chuter tel ou tel candidat. Mais quelle est, du coup, votre capacité, à ce moment-là, à peser réellement sur le sort de votre pays ? Alors qu'ils vous tiennent par l'émotion, pour votre capacité à vous donner l'impression qu'à tel moment, c'est celui-ci qui est corrompu plutôt que celui d'autre, alors que c'est quand même la phrase cardinale de Crépuscule. Ils sont la corruption. C'est pas une question d'en faire sauter un pour... Le système les amène dans ce rapport à la corruption. Et qu'ils soient complètement inconscients de ce que se faire offrir un costume à 3000 euros ou d'employés pour en disant auprès de la princesse, leur femme qui ne travaillait pas pour toucher son salaire. En fait, Brigitte Macron, aujourd'hui, elle a plus de 10 employés à l'Élysée. À quel titre ? Et elle mange tous les jours auprès de la princesse de la même façon que la femme de François Fillon le faisait. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Est-ce qu'un candidat a été éliminé sur ce fondement, alors que exactement la même chose est en train de se reproduire avec le suivant ? Donc voilà, d'où l'appel en fait à se détacher de ces dispositifs de spectaculaire et, avec patience mais détermination, aller chercher dans le réel, matériellement, à portée de main, des vecteurs de changement réel, comme justement peuvent l'être